Salut YouTube, bienvenue sur ce nouvel épisode, l'épisode 27469 de Tears of the Kingdom, le meilleur jeu de tous les temps, le GOAT, le Saint Graal, le JOT, le jeu of all time, grande lame de Major. What? What? Comment ça, grande lame de Major? La dernière fois, on avait fait le temple du feu, je crois. Enfin, ça c'était il y a deux épisodes. On avait fait le temple du feu ici. Après, on avait fait pas mal de racines, on avait pas mal exploré. On avait fait la dernière fois, on avait fait le labyrinthe ici dans la carte, le labyrinthe céleste. On l'avait fait sur ces trois endroits. Bah, en vrai, on était en train de se dire qu'on aimerait bien terminer le jeu. La quête principale, à peu près aux alentours de 100 heures de jeu. Comme ça, ça ferait une bonne vidéo bien résumée qui pourra durer genre une heure et demie. Ce serait grotesque. Genre vraiment le film. Le film Jules Gann Tears of the Kingdom, genre. Mec, t'as cook après minuit 30 en fait? Oui, oui, oui. Mec, j'ai totalement cook jusqu'à 2h du mat quasiment. Du coup, voilà, au programme de cet épisode, juste on se balade, on découvre, on fait des quêtes. On a terminé tous les souvenirs, on a terminé toutes les tours. Par contre, on a encore des Korogu à faire, on a des quêtes à faire, on a des sanctuaires à faire, encore ça c'est sûr et certain. Donc en vrai, il nous reste pas mal de trucs. Par exemple, en vrai, par là, je crois, Ebra, en vrai, on n'a pas trop cherché. Il me semblait qu'il y avait pas mal de sanctuaires et on n'y avait pas trop été, donc je suis d'avis d'aller par là-bas. Ouais. Comme d'habitude, je rappelle au chat, pas de spoil. Donc, c'est-à-dire pas de questions en mode « Oui, Julgan, est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça ?» Parce que bah si je l'ai pas fait, c'est du spoil. Si je me pose une question en disant « Je me demande combien il y aura de cœurs au total dans TOTK ?» Il ne faut pas être un PNJ et penser que je vous pose la question à vous. Le monde ne tourne pas autour de vous et il faut que vous ayez l'humilité de vous dire « Ah, peut-être qu'il se pose la question à lui-même. » Et donc, du coup, ne pas me répondre. Parce que sinon, c'est du spoil. Tu vois. Donc voilà, évitez de me donner des conseils, c'est-à-dire dès que je galère 30 secondes sur quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui vous frustre, globalement, ne dites rien, s'il vous plaît, sinon bah, ça sera un ban, ça sera un ban. Et puis voilà quoi, on peut y aller je pense. Mais voilà, on prévient, je préviens d'ores et déjà, vous pouvez pas vous plaindre si jamais vous êtes ban. De toute façon, voilà, on a prévenu maintes et maintes fois. Donc voilà, c'était la petite aparté, la petite aparté spoil. Et puis voilà quoi. Mais en vrai, c'est une dinguerie parce que franchement, en 100 heures de jeu, on a 4 donjons, on a quasiment tous les souvenirs, il nous en manque qu'un seul, on en a 17 sur 18. On a 170 Korogu. On a quoi d'autre? On a... Oui, on a Babybel. On a... On a Babybel, on a 80 sanctuaires, 90 bientôt. Mec, c'est une dinguerie. Hein. Les YouTube Frogs face à cette information, réelle. Réelle. Les YouTube Frogs, qu'est-ce que vous faites, les gars? Venez sur Twitch. Venez sur Twitch. What are you doing, bro? What are you doing, step bro? Tu vois, genre... C'est un peu ma réaction face à cette information, tu vois. Et évidemment, si vous êtes banni, évitez d'être malveillant avec les modérateurs ou avec moi en disant par exemple au modérateur « Oui ça me bute. Ça me bute trop ce viewer-là qui était là en mode « Oui, tu te crois tout permis parce que t'es modérateur chez Julgan, mais en réalité, je sais que Julgan ne peut pas te blairer. » Alors que vraiment, le modo faisait son job et je l'ai félicité même. Giga Chad. J'ai félicité le modo. Bien sûr que je peux le blairer, le modo, puisque je l'ai félicité. Le mec était tellement malveillant, c'est une dinguerie. Combien de Korogu en tout je peux demander? Non. Mais tu peux demander à Google, ça par contre tu peux demander à Google, mais clairement c'est du spoil s'il y a quelqu'un qui te répond dans le chat, et en plus, s'il répond dans le chat, bah il spoil tous les gens qui veulent pas savoir, qui regardent aussi le live, donc c'est pas une bonne idée de poser ce genre de questions sur le... Des questions de game knowledge, pareil, évitez, parce que bah sinon c'est du spoil quoi. Si c'est des informations qu'on n'a pas encore.
Où est-ce que... Il y aurait pas un petit sanctuaire ici par là-bas? Ah, il y en a un là-bas. Il y en a un là-bas. Alors, je tiens aussi à préciser que les fake spoils seront aussi ban. Voilà. Toutes les blagues autour du fait de donner des conseils et des spoils seront aussi permaban. Hein. Je tiens à le rappeler aussi, donc n'essayez pas. Ne faites pas les malins. SVP. Voilà, voilà. Mais sinon, on va passer un bon moment. Mec, par contre, je sais pas si je peux fumer un griok. En vrai, je me dis peut-être qu'on a le level. Parce que pour l'instant, on a toujours pas fumé de griok. En vrai, let me cook. Let me cook. Allons-y. Ouais, je me jette peut-être dans la gueule du loup. Mais j'ai confiance. Ah, mais non. En vrai, non, c'est pas une bonne idée parce que... En fait, il est dans une zone de froid, donc c'est de la merde. Après, je peux faire ça, ça. Et le bas, je mets ça. Je sais pas si je le cook, en vrai. Golemax, ok. Mais le griok. Do I cook him? Il fait trop froid! Do I cook the griok? Ok, j'ai eu un œil. J'ai eu deux yeux. What the hell? Ok, j'ai eu ces trois yeux. OMG, il est stun. Mettons la full tenue pour mettre des dégâts. On peut prendre ça aussi. Ok. Mec, en vrai, il prend plein les dégâts là. Attends. Ok, on remet l'antifroid. Oh là. Holy shit, bruh. Je l'ai eu? Ah, j'ai eu qu'un œil. Aïe, il m'a bien eu. Attends, ok. En vrai, attendez, c'est mon premier griok là, mec. Ouh, putain. Enfin, c'est le premier griok où on a peut-être une chance de le battre. Non, mais mec! Pitié, cookez-le, mais cookez-moi ça, les autres, là. Les prodiges, faites quelque chose, les prodiges, voyons, mais... Qu'est-ce qui branle? Non, putain! Oh, les yeux reviennent. Oh, je l'ai eu! Mais merde. Ah oh putain, tous ses yeux respawn. Ok, c'est bon, je peux ou je vais me faire foutre? Merde, attends, mais merde, il reste encore sur sa tête, mais... C'est bon, je peux? Je peux ou... Ok. Force 3, on y va. On se remange... On mange quoi? On mange ça, peut-être? Avec un peu de ça, en vrai. Ok. Qu'est-ce qu'on peut... On peut l'attaquer avec quoi? On peut l'attaquer avec la... Avec l'épée malveillante, là. Le sabre miasmatique. Ok. Boum. Mec, il est tellement haut dans les airs. Oh putain!
Au secours, au secours, au secours. Oula, 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 oula. Oula, 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 mais qu'est-ce qui nous cook là? Qu'est-ce qui nous cook? What? What is he cooking? Hein? Hein? Quoi? Quoi? Je peux grimper ou... Non, ok, je peux pas. Non, je voulais grimper. Oh putain. Attends, mais frère, comment on fait pour le... pour lui cook sa gueule, là? Ah, il redescend? Mais mec, c'est une dinguerie l'attaque qu'il a là. Vas-y, vas-y, Mabibelle, fais quelque chose. Oh putain, y a une roche qui lui tombe à la gueule. Non mais attends, mais comment on fait là? Comment on fait pour le fumer, genre? Attends, peut-être que je grimpe. Ah, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris, en fait. Faut que je grimpe sur les petits trucs et que je fasse le rewind time. It's rewind... Yeah! That's it! That's it! Comme ça, genre. Ok. Oh, il a pris les dégâts de chute. OMG. On a fumé notre pro. Oh mec, c'était tellement stylé quand j'ai redescendu comme ça là. Quand je suis redescendu en mode malveillant, la tête la première là. Oh putain. Corne de griog des glaces. Attachez cette corne où s'échappe un air glacial à une arme pour augmenter prodigieusement son attaque. Observez-vous-en pour préparer un remède. Cette aile aérodynamique permet au griog de voler. Il augmente la portée des flèches. What the fuck? Par contre, je suis un petit peu déçu du loot. J'avoue que le loot, je m'attendais quand même à mieux, tu vois. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis quand même content. Mec, j'ai fumé mon premier griog. Mec, c'est bon, j'ai fait ma première fois. J'ai fait ma première fois dans Tears of the Kingdom. Bravo. Bravo à moi. Bravo. Bravo. Il est frauduleux le loot. Non, vraiment, le loot est frauduleux. Le loot m'a demandé de cotiser pour ma retraite avant mes 64 ans. Hein. Non, je... C'est terrifiant. Hein. Non, vraiment. Mec, je sais pas où aller, je sais pas où est-ce que je pourrais trouver même du sanctuaire. Où est-ce que je peux trouver du sanctuaire? Là-bas? Peut-être que là, il y en aurait un, non? Archipel de... Céleste des Bras Est. Attendez, je regarde comme ça en vif. Y'a pas l'air d'avoir de quête de sanctuaire par là, mais... Ah, là-bas, y'en a une. Là-bas, y'a une quête de sanctuaire. Je la vois, je la vois. Je la vois. Attends, et je me demande si la pierre, elle est... C'est pas le truc vert qu'on voit là, là. C'est pas le truc qu'on voit là, là. Non, c'est un guidon, ça, non? J'ai du mal à voir. On verra bien, de toute façon. On verra bien. Je pense qu'elle est sur l'île à côté, là, le... La quête. Tanidno Uda. Mais alors, du coup, ça y est, Astro, t'as terminé tous les sanctuaires, mec?
Merci Goldorak 209 pour le Prime, j'avais pas vu. Fais offrande au sanctuaire de cristal qui indique la lumière. Alors tu recevras. Oula! Oh putain. La lueur du mal. En vrai, vous savez quoi, les gars? Je pense que je vais live parce qu'en vrai, je commence à être. Je sens que je suis un peu fatigué. Donc en vrai, je pense que je vais faire. C'est que je vais stream jusqu'à genre 21h. Ensuite, je vais cut. Et ensuite, je vais aller dormir. Et ensuite, si je me réveille un peu tôt, genre demain, genre 9h, 10h, peut-être je peux live. Parce que je commence les cours à 14h demain, donc en vrai, petite matinale, tu vois. Genre, en vrai, ce serait plus sain. Ça serait plus sain que je fasse une matinale. Et en vrai, ça me permettrait de bien dormir aussi, tu vois. Parce qu'en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas bien dormi, genre. Tu vois. Ouais, petit live matinal. Ça fait vraiment... c'est vraiment 4 ans que j'ai pas fait de live le matin, mais c'est pas grave. Non, en vrai, je suis un menteur. Le concept Mario, les Mario 2D, j'ai de live le matin, mais... T'as capté, quoi. Ouais, petit live demain matin. On sera vraiment deux, mais c'est pas grave. Vraiment, moi, je suis heureux, hein. Je serais heureux de jouer le matin. Mais au moins, surtout, je serais reposé, quoi. Parce que là, j'avoue, je sens que... En fait, je me sens vraiment pas, tu vois, de relive là, à minuit. Parce qu'en vrai, là, je sais pas pourquoi, j'ai un gros coup de barre, là. Donc tout hard. C'est possible que tu montes tes tenues. Ouais, c'est possible. C'est quelque chose de possible, ouais. Après, est-ce que j'ai envie de le faire? Ça, c'est autre chose, mais c'est quelque chose de possible, ouais. Ouais, je suis malveillant, ouais. Non, tiens, regarde mes tenues. Voilà, il y a tout ça. Ça d'ailleurs, je pense que c'est une vieille carte pour une tenue aussi. T'as combien d'heures, Astro, sur le jeu? Parce que là, ça doit être marqué, non? Sur la Switch. D'ailleurs, je crois que bah, là, ça fait 10 jours que le jeu est sorti. Donc, si vous avez acheté et que vous avez joué au jeu Day One, normalement, ce soir, vous pourrez voir combien de temps vous y avez joué direct sur la Switch. Bah d'ailleurs, moi, je peux peut-être regarder. 90 heures ou plus. Mmh, ok. Ok. Ouais. J'ai cook. J'ai sacrément cook. J'ai continué sur la save maraboutée du coup, mais j'en ai compté 75-80. Ah ouais? Attends, mais en 75-80 heures, t'as fait tous les sanctuaires et tout? C'est dinguerie, ça veut dire que tu fais quasiment aucune quête annexe et aucun Korogu, genre. Parce que mec, moi je suis à 75 heures, je n'ai même pas... Je suis loin d'avoir terminé la quête principale. Je suis loin d'avoir fait les sanctuaires. Les quêtes annexes, j'ai un peu de mal. Ouais, je comprends. On a vu ton code ami, moi. Bah vas-y, n'hésite pas à m'ajouter sur ce code ami, c'est un compte totalement inactif. C'est un code totalement inactif, vraiment, y a genre c'est... La connexion ne sera jamais mise sur... Je veux dire, j'ai jamais la connexion sur cette Switch, donc ça servira à rien, mais essaye hein. Essaye. You can try. Ok. Ok, là il y a le. Ok. Mec, Astro, si tu veux voir, il y a ma réaction de. Après, je sais pas si t'étais là. Mais si tu veux, la dernière VOD qui est sortie sur YouTube, il y a ma réaction, genre à quand j'ai trouvé la Master Sword et quand j'ai compris. When I understood the lore. Mec, et j'ai fini aussi les géoglyphes, mec, c'est... Putain. Les géoglyphes, je suis ému carrément. C'est déjà cette recive-là? Bah oui, les gars, on cook, hein. On cook sur la chaîne VOD, hein. J'ai un peu le seum, j'étais là, donc je me suis fait spoil MDR, mais c'est les risques. Bah oui, après, si vous êtes sur le live de Tears of the Kingdom, c'est sûr que bon... C'est sûr que...
faut assumer le fait que parfois il peut y avoir des petits spoils quoi. C'est le but. Mais avec la dernière cinématique des géoglyphes, je m'en remets toujours pas. Hein. Je vous jure vraiment, j'y pense la nuit quoi. J'y pense la nuit, j'y pense le jour. C'est... Ouais. C'est quelque chose. Hein. Tu pourras nous accepter si on t'ajoute en ami. Il a pas écouté ce que j'ai dit, hein. Ce compte là, il est inactif, je l'utilise pas. Et je connecte jamais à internet. Donc je ne verrai même jamais en fait ta demande d'avis. T'es un bonheur de TOTK? Ouais, je suis un bonheur de TOTK, ouais. Ouais. Ouais, je suis un bonheur de TOTK. Et alors? Et alors? J'ai pas le droit? Oh, c'est lent, c'est lent. C'est si lent. Oh, la lenteur. La lenteur du frérot. Je peux y aller ou... Attends. Je peux? La lenteur du man. Tac. Tac, tac, tac. Boum. Ici, ok. Et encore un autre. €115. Mais pourquoi il y en a, ils parlent en mode randomizer? Comment ça, €115 hein? De quoi vous parlez, genre? Ok. OMG. OMG. Ah, attends, j'aimerais bien être juste en dessous, là. Hop, 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 hop. Juste en dessous du coffre, ça serait nickel. Je parie sur une vieille carte. Tu comptes continuer la manique ce soir? La manique? Comment ça la manique? Mec, elles sont bien ces vieilles cartes, mais le problème c'est qu'elles sont toutes sur les bordures, genre. Ah, main quest? Non, non, non. Je pense pas. Non, ce soir on va cook autre chose que les main quests, je pense. De continuer les maniques. Ouais, ouais, je suis en train de... Ouais, c'est pour... C'est parce que le chicken, il est tellement chaud que il en faut, tu vois, pour les sortir du four. Pour sortir le chicken du four, il faut des maniques, tu vois. Je comprends, tu vois, en vrai. Je comprends, hein. Est-ce que vous utilisez les glitches de duplication? J'ai cru comprendre qu'il y en a vraiment beaucoup, quoi. Et je me dis, si vous voulez up votre batterie ou quoi, ça peut être pas mal dans le jeu. Mais bon, en vrai, je sais pas. Moi, je vais peut-être l'utiliser une fois que j'aurai terminé la quête principale, tu vois, pour le finir à 100%, pour me faire des potions de vitesse 3 ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. De ce que j'ai vu, ils sont super simples. Ouais, y a moyen. Tu peux pas up la batterie avec. Ah, sérieux? Tu peux pas dupliquer les trucs pour up la batterie avec? Mec, j'ai vu des gens sur internet, mais mec, mais ils ont 4 piles, genre. Genre, ils ont une batterie, mon gars, sans fin, genre. Frérot, sur Tears of the Kingdom, ils ont la batterie du 3310, mec. Merci, VREMC, pour le Prime. Mec, ils ont la batterie d'un Nokia, frère. T'en as 12? Mais quoi? Mais comment vous faites pour en avoir autant, genre? Ne répondez pas à cette question, ne répondez pas à cette question, évidemment. Vous cookez le jeu, quoi.
Moi j'ai une batterie sans fin, sans glitch, j'ai juste tryhard. 9 my bad. Oh trop relou, putain. Les gars, je me suis gouré, j'en ai 9 seulement. Ah, attends, petit Korok là-bas. Sont pas très difficiles ces Korogu, faut vraiment juste se rendre sur le mur. Ok, bruh. Mais comment on fait? Non, mais c'est une dinguerie, mais comment. Je sais pas comment le tourner quoi. Enfin, je sais pas comment. Coup du sonium. En vrai, c'est peut-être parce que je passe pas assez de temps dans les souterrains, c'est peut-être pour ça. Hein. C'est même certainement pour ça. Je vais aller sur le sanctuaire que je vois là au loin. Je kifferais trop faire tous les sanctuaires en surface, mais il y en a, ils sont en surface, mais sous la surface. Vous voyez ce que je veux dire? En mode, ils sont dans des grottes et tout. Mec, il est quand même assez loin, hein, ce sanctuaire, en vrai. Il y a des DLC. Ouais, il y a des DLC alors que le jeu vient de sortir, ouais. C'est un bon timing pour les sortir. Alors... Merde, il fait trop froid. Il fait trop froid, merde. J'ai tellement bien fait, de quoi qu'est-ce que t'as fait pour l'épée? J'ai commencé à comprendre, mais dans le doute, j'ai préféré suivre la quête normalement. Mec, t'as tellement bien fait. En vrai, je regrette limite d'avoir trouvé un peu... random. Moi, j'étais vraiment con, parce que le pire, c'est que j'avais vu la cutscene, mais j'avais pas compris, genre. J'avais vu la cutscene, mais j'avais pas compris instant. T'as été à la forêt Korogu aussi, je vois. Ouais, comment tu sais? How do you know, man? OMG? Coltin? Ah mais merde, j'ai que 3 Elusis. Ouais, mais j'ai rien à lui donner, alors ça veut dire. Ah! My bad, il y a peut-être une grotte là-bas. Parce que c'est vrai qu'il faut faire les grottes maintenant aussi, putain, c'est une dinguerie ça, hein. Salut, tu utilises quel logiciel pour stream tes speedruns? J'utilise Fraps. En vrai, t'y allais quand? J'y suis allé assez récemment. OMG! La grotte du mont qui m'est dédiée. Évidemment, très sympa Nintendo. Je les remercie encore mille fois hein, d'avoir fait cette référence à moi dans ce Zelda. De m'avoir fait hommage. C'est quand même une dinguerie, tu vois, d'avoir une référence à toi, à ton pseudo et tout sur... sur l'un des jeux que tu kiffes, tu vois. C'est quand même une dinguerie, ça. Hein. Fraps, t'as pas besoin de Elgato? Si, mais je passe par Elgato, mais le logiciel, c'est Fraps, quoi. Et Elgato, c'est juste le hardware. Il y a une faute de frappe, mais c'est normal. C'est comme Satoru, ils allaient pas directement écrire Satoru, ils ont écrit Satori. Là, ils ont écrit Juglandis au lieu d'écrire Julgan, tu vois. Normal, c'est pour que la référence, elle soit subtile. Bah, sinon c'est plus drôle. Y'a pas la Corée Forêt Coq en VOD? Non. Non, on l'a vraiment fait hier en fait. On l'a vraiment fait hier. OMG, les Lusis, OMG. Y'a les petites fées carrément. Les trois roues de Sam, ça met très bien. Hein.
Cristal d'Elusis. Tu es 100%, ouais. Ouais. Par contre, c'est vraiment une rêve à ton pseudo, la grotte, ou pour la énième fois, je rate l'ironie. Ah non, mais c'est... Nintendo a vu le taf que j'ai fourni sur Zelda, ils ont kiffé mes vidéos, ils se sont dit, vas-y, on met son blaze dans le jeu, quoi. Non, c'est vraiment mon blaze, c'est vraiment une rêve. Ils m'ont contacté et tout. J'avais pas le droit de vous le dire avant, tu vois, mais... J'ai envie d'aller voir Coltan, mais il est trop loin, frère. Bon, tu vas glisser sur ton bouclier. Je vais voir sur Google comment glisser sur son bouclier dans Tears of the Kingdom. Au lieu de demander à des streamers. Ouais, je le dis. Genre, faut que je fasse un tuto, frère. Je fais ZL. Je saute, j'appuie sur A. X, A. Tout en restant appuyé sur ZL. Coltan. Oh, vous avez vu, j'ai eu le pouvoir là de... d'ascension tellement rapidement qu'il y a que celui-ci qui s'est affiché, genre. What? Oh non, il vient de despawn sous mes yeux. Oh non. Oh là là, la dingue. Le mec, il vient de despawn sous mes yeux parce qu'il est 4h du mat. Oh non, man. Ok, c'est bon, il est là. Je suis trop fatigué, je sais pas pourquoi. Ah, il va nous donner les jambières, mec, on va tellement être beau. Bonsoir, voyageur, je peux les sentir d'ici. Tu n'aurais pas les cristaux d'Elusis? C'est d'accord. Mec, ça c'est trop stylé parce qu'en fait, cette tenue-là, c'est l'équivalent de l'armure magique dans Twilight Princess ou dans Wind Waker. Oh, tant de puissance, mais que m'arrive-t-il? Il m'en faut plus. Toutes mes excuses. Mec, la chose des esprits, elle est trop belle, hein. Enfin, la tenue des esprits, elle est vraiment très très belle. Elle est vraiment magnifique. Ok, où est-ce qu'on pourrait chercher? En vrai, on n'a pas trop cherché dans les cieux. Après, c'est vrai que dans les cieux, il n'y a pas grand-chose à aller voir non plus, j'ai l'impression, mais... Genre là, je pense qu'il y a un petit... Je pense là, il y a un petit sanctuaire, en vrai. En détente. Celle de TP consomme en permanence? Pas dans Wind Waker HD, si? Si, dans Wind Waker HD aussi? Je sais plus. Enfin, même dans la VOD de la Master Sword, ça me demande la rêve de mon pull, frère. J'en peux plus, mec. Putain, trop chiant d'avoir un beau pull, putain, trop chiant. Par là. Planeur. Turbine. Et guidon. Ouais, c'est le starter pack. C'est le starter pack du navigateur par défaut. Hop. Hop, merde. Hop. Bam. Personne n'utilise le pouvoir violet.
En vrai, on l'utilise pas, mais parce que ça consomme et que je suis un peu un rat, mais je pense qu'en speedrun, ça va être vachement utilisé. C'est un peu genre comme les DQ Nuts dans Ocarina of Time, pour ceux qui ont la ref. J'essaye de monter un maximum pour avoir le... pour avoir de la hauteur. En vrai, c'est pas nécessaire. Une note sur 10, le jeu. 10. Ouais. 10. Attends, je vois mal où est-ce que je dois arriver. Ah si, c'est là, non? Attends. Ah si, ok, ouais, si, je vois. 11 sur 10. 50 sur 10, essentiellement. Essentiellement, hein. Ah, mais il y a même déjà un petit sanctuaire. C'est même pas une quête, c'est genre, il y a déjà un sanctuaire, genre. C'est vrai qu'on n'a pas trop inspecté les cieux, mais en fait j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup moins de choses à faire dans les cieux que dans... sur terre ou que sous terre aussi. Clairement, dans ces deux étages-là, il y a quand même vachement plus de trucs à faire. Mais c'est pas pour autant qu'il y a rien... c'est pas du tout pour autant qu'il y a rien ici, quoi. Ça, c'est sûr. Attends, je vois ça, je me dis... Attends, le truc là-bas, je pense c'est le dernier endroit où on a la tenue wingsuit là. Ça serait stylé d'avoir l'ensemble entier. Ça serait grave stylé en vrai. Oh, lune de sang, couleur du sang. Lorsque de ta lumière tu éclaires la terre. Les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charnelle. OMG. Non, j'ai pas fini le jeu. Non, je ne l'ai pas fini. Non, je ne l'ai pas fini. C'est bon, c'est assez clair comme ça ou... Ouais. Merci Gata Unali. Merci beaucoup. La voix de l'eau. OK, là. Ça, on peut y aller comme ça. En mode ascenseur. On le vire par celui-ci. Et on retourne. Et on peut faire ça. C'est elle comment le sanctuaire? La voie de l'eau. Il y a zéro eau. Ah si, 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 ok, oui, il faut utiliser des trucs comme ça, là. Mais frère, c'est le sanctuaire le plus simple que j'ai jamais vu de ma vie, par contre. Il y en a, ils se sont vraiment pas foulés, hein. La Dark Forest... Ouais, vraiment. En vrai, elle est chelou, un peu, genre. Moi, justement, je me disais que, genre, pour les enfants, mec... C'est méga mal à l'aise, quoi. L'ambiance de la quête principale, c'est insane. Mais je trouve ça cool aussi qu'on soit obligé de faire un fantôme de Ganon, du coup, dans l'histoire. Que ce soit pas que...
au pif, tu vois, quand tu te balades. Parce que j'avais quelquefois, c'était... j'avais l'impression que c'était un petit peu comme... genre, tu sais, le mob dans Dark Souls. Qui peut pop à n'importe quel moment. Ça, c'est une dinguerie, ça. Le mob dans Dark Souls ultra OP, genre. Après, ouais, c'est Peggy 12 le jeu. Ouais, normal. Et même Peggy 12, en vrai, je me dis, à 12 ans, tu te chies déjà dessus, quoi, non? En vrai. En vrai de vrai, hein. 12 ans, tu te chies déjà dessus, hein. En vrai, je sais pas, mais ça dépend. Mais c'est vrai que de nos jours, frère, les enfants, ils ont déjà tout vu sur TikTok, frère. Ils ont déjà vu des... Mec, il y a plus rien qui les choque, frère. Il y a plus rien qui les choque. Non, dose en vrai. Bah, les enfants de nos jours, non. Mais je vous assure que moi, frère, à 12 ans... Ah, le truc, c'est que... je pense que, ouais, plus ça avance, plus les enfants sont habitués jeunes à, genre, ouais, des trucs qui font peur, de la violence et tout. Ou alors, peut-être que je m'en rends pas compte et en fait, 12 ans, c'est assez grand, quoi. Peut-être que je m'en rends pas du tout compte, quoi. Ah, peut-être qu'à 12 ans, je m'en battais les couilles aussi. Il me semble que je m'en battais relativement les couilles, parce qu'il me semble que je jouais quand même à... comment on appelle ça, à Twilight Princess. Avant, à 7 ans, tu vois, et Twilight Princess, ça allait, tu vois. Pourtant, en vrai, il y a quand même des scènes où... tu vois, c'est chelou. À 12 ans, j'avais peur du dino de Deep Woods. Hein? Ah, dans Mario Odyssey! OMG. En 2017. Normal, hein. L'anguille de Mario Sunshine. Mais mec, mais même moi, aujourd'hui, j'ai 20 ans, c'est toujours une angoisse, hein. Ce putain de boss, mec, il est tellement mal level design, genre, c'est... ça me terrifie. Mais c'est pas grave. On leur pardonne. On leur pardonne quand on voit Tears of the Kingdom, quoi. Enfin, bref. Juste, on est heureux, quoi. Et si c'était là, le dernier endroit où on pouvait avoir la tenue... ah, mais merde, on l'a déjà fait. En fait, j'ai quasiment tout fait, hein, dans les airs. En vrai, quand je regarde un peu... j'ai peut-être pas encore été là, genre. Il y a certainement quelque chose là-bas, mais... vas-y, je vais à partir de la tour de l'Anel, ce sera plus simple. Froid insupportable. Ok. Quel jeu de fou, mec. J'ai tellement hâte de le finir. J'ai tellement hâte de le finir, mais d'un autre côté, j'ai pas non plus envie de le finir, tu vois, parce que je me dis... pht. Je me dis, après, le jeu est terminé, quoi, mais bon... j'ai quand même hâte de le finir, parce que... mais c'est tellement haut, ça. C'est terrifiant, à quel point c'est haut, hein. J'ai quand même hâte de le finir, parce que comme ça, on pourra commencer à faire du contenu dessus. À faire des défis et tout, ça serait grave bien, hein. Refaire peut-être certains défis qu'on avait fait dans Breath of the Wild. Mais, et comme ça, en parallèle, on pourra faire des défis et continuer le 100%. C'est pas incompatible, je pense. Je pense le speedrun. Ah oui, mais évidemment, évidemment. Évidemment que je le speedrun. Quand je dis défi, ça compte aussi les speedruns. Un bingo, c'est prévu aussi, vous inquiétez pas. Tout est prévu.
1, 2, 3. J'y suis. Les cinématiques du début, 8 minutes. C'est pas grave en vrai, ça. Sincèrement. T'as 17 cellules de batterie, mais quoi? Oui, non, mais pas cellules. Moi, je parle de batterie entière, genre. Batterie entière, vous en avez combien, genre? Onze. Quatre. Quatre. C'est terrifiant. Moi, ça me terrifie. Mec, le jeu est trop beau, sa mère. Moi, j'en ai vraiment deux, quoi. C'est dinguerie, j'en ai que deux, hein. Oh, tu sais où chercher? Ok, ouais. J'ai l'impression que ce qui drop pas mal de batterie, de ce que j'ai trouvé, c'était le gigatracien, là. C'était pas mal, ça. C'était un bon plan. Au moins, de la Switch craque ses poumons sur ce jeu? Ça dépend. En vrai, là, ça va. Là, je trouve que ça va, là. Mais c'est vrai qu'à certains moments, parfois, ouais. J'ai vu le trailer, j'allais dire que le jeu allait être gaze, mais en fait, Nintendo c'est des boss. Non mais les gens doutent sur la qualité d'un Zelda. En 2023, genre. À la limite, douter de Pokémon, ok, mais un Zelda, genre. Tu vois, hein. Faut tellement trust, genre. Bon, franchement, peu importe ce qui me montre dans les trailers, je trust les yeux fermés, hein. Les yeux fucking fermés, hein. Je suis fatigué. J'ai hâte d'aller dormir. Jugan monte l'Everest. C'est un backseat, ça, c'est le mec. Non, mais par contre, no joke, je vais monter le Mont Fuji cet été. Je vais peut-être faire une vidéo en mode... Je speedrun sur The Kingdom, sur le Mont Fuji, au sommet du Mont Fuji, tu vois. Et genre, on compare des plans avec les nuages de fou, genre. What? On peut faire des wall jumps comme Mario ici, vous pensez? Par contre, faut vraiment que je m'achète des godasses. Des godasses de randonnée, quoi. Et c'est une dinguerie, par contre, la verticalité de ce level, hein. Des grolls. C'est même plus des Nike, c'est des grolls. OMG? Ça c'est en combien de temps? De quoi, le Mont Fuji? Je crois que c'est genre 7-8 heures d'ascension. Et un peu moins pour redescendre, genre. Mais c'est quand même genre à 3500 mètres d'altitude, je crois, hein, le sommet. Hein. Donc faut être équipé, quoi. C'est quoi? 3200 peut-être? Mont Fuji, sommet, altitude. 3700, what? Dinguerie. Plus haut que Y256, vraiment. Vraiment. Frérot, ça fait un mois que j'attends pour te parler.
Attends. C'est vrai ? 22 avril. Putain, mec ! OMG ! Après, en début de live, généralement, j'enlève le truc. Mais j'enlève le follower only, mais... Faut être là, quoi. Mec, il a follow le 22 avril, on est le 23 mai. Putain, je suis limite ému, genre. Je suis limite ému, genre, il a été libéré du follower only. Et mec, mais il faut tellement grimper dans cette putain de deal, frère. Faut tellement grimper. Merci Quetzal 8. Jure. Attends, Quetzal en référence à l'oiseau. Non mec, ça me rappelle une... J'avais appris une musique, frère, quand j'étais à l'école primaire. Sur le Quetzal. J'ai envie de l'oublier. Hein. Merci pour le deuxième mois en tout cas. How much escalade you want? Yes. Yes. En vrai, la vidéo sur le Mont Fuji, mec, ça va être quelque chose. Le Mont Fuji X Zelda, c'est juste le meilleur feat, quoi. Hein. Franchement. Hein. En plus, il y aura Lohan, Kélian et tout, ça va être bien. OMG. Ah, c'est pour les vieux YouTube, ça va être trop bien, pas de soucis. No problem, bros. Petite visite de Nintendo. Le parc? Oui, c'est carrément prévu. C'est prévu, ça. Hein. Vous inquiétez même app, hein. Vous inquiétez même app. Bien sûr que c'est prévu. Pourquoi il y a le logo Tesla sur le... Le jeu va tenir là-haut? Inch'Allah, hein. Inch'Allah, hein. J'espère, hein. J'espère. Mais je pense que j'y jouerai sur mon PC portable, parce que pour filmer, la Switch en mode portable, c'est infâme. Donc je pense que j'y jouerai en mode portable. Genre, enfin, sur mon PC portable, directement. Ce sera plus simple, et ce sera plus facile à rec, sans que ça soit dégueu. Parce que sinon, c'est juste je rec sans que ça soit... Bien, quoi. On m'a dit que pour être bien, il fallait près de 5000 euros par personne au Japon, avions compris. Pour être bien, pendant combien de temps? Parce que, mec, c'est vachement overpriced. Hein. Nous, on en a pour vachement moins que ça. Hein. Comme quoi, être cordial et sympathique pour se faire des bans, ça fonctionne. Ouais! Ça fonctionne! Ça fonctionne, ouais. Bah, c'est même ce qu'il faut être. Hein. C'est ce qu'il faut. C'est ce que vous avez plus de chances d'avoir. Si vous vous excusez, que vous vous remettez en question et que vous dites « Oui, désolé, j'aurais pas dû faire ça », c'est ce qu'il faut. Parce que, en fait, il faut partir du principe que les modos n'ont jamais tort, en fait. Enfin, à part si le système vous convient pas, mais je veux dire, si le système ici vous convient pas, bah, qu'est-ce que vous faites ici, tu vois? €5000, non, c'est un peu abusé. Par personne, le billet, rien que le billet d'avion aller-retour, c'est genre 1000 balles. Après, pour 3 semaines d'hébergement, on en a à peu près pour €500 par personne. Et après, pour les transports, je pense que ça sera à peu près €500 aussi. Et après, bon, tout ce qui est bouffe, dépenses en mode pour se faire plaisir, ça sera peut-être €500 aussi, je pense. Donc pour 3 semaines, c'est genre 2500 par personne à peu près, je pense. Je pense à peu près. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Ça dépend si on va avoir des soucis ou pas. Tu sais, des soucis de transport ou d'hébergement, ça peut arriver. Tu sais, donc du coup, au dernier moment, tu dois t'adapter. Parce qu'il y a une couille. Oui. Merde, est-ce que je peux m'arrêter ici?
OMG, ton pas. Non! Let me cook. Tac. En vrai, ouais, c'est plus aux alentours de 2000-2500 par personne, je pense. Pour 3 semaines. Ce qui, en vrai, est convenable, en sachant qu'on va faire pas mal d'activités. Ah, bah voilà. Let's go. Après, c'est quand même cher, hein. C'est quand même cher, hein. 2000-2500, mais bon, faut mettre de côté, quoi. Attends, est-ce que ça serait pas le troisième endroit pour avoir la full tenue? OMG. Oh putain, on va avoir la full tenue wingsuit. Je vais être l'écureuil dans l'âge de glace. Oh putain de merde. Je vais être l'écureuil dans l'âge de glace. Ouais, it's me, I am this guy. Merde, c'est où? Merde. Ah merde, c'est ici. Je vois rien. Oh putain, j'ai failli me faire défoncer. Oh, c'est trop grotesque. Mec, on peut le faire en mode full rush, je pense. Jusqu'en bas. Bon, maintenant on lui dit ou pas qu'il était pas obligé de monter tout ça? Oui, je sais, je pouvais parler à ce mob, mais putain, fallait que je trouve ce qu'il y avait en bas, quoi. Enfin, j'aurais pu parler au petit gardien, là. Mais c'est pas grave. Je suis quand même content d'avoir grimpé, c'était sympa. C'était une belle épopée. C'était une belle épopée. T'as déjà game over? Ah, évidemment que j'ai déjà game over. Je dois avoir game... Après, je pense pas que j'ai beaucoup game over depuis le début. Je pense pas avoir beaucoup game over depuis le début. L'important, c'est pas l'arrivée, c'est le voyage. Voilà! Bien le bonjour, j'ai un participant à l'épreuve du plongeon céleste. Tu as terminé l'épreuve alors qu'elle n'avait même pas lieu. Ton zèle est tout à fait admirable. Nous pouvons à présent commencer l'épreuve du plongeon céleste. Oui! Oui! 35 secondes max, mais mec, je te le fais. Sub 25 secondes, t'es prêt? Full sprint. Je vois rien. Oh putain, je me suis fait baiser. My bad. Heureusement que la fée était là. Oh putain, j'ai pas sub 25. Merde. J'ai envie de le refaire. Oh, il est trop stylé. Oh putain, la dinguerie. Ça y est, on est à la full tenue. Ce masque pensé pour minimiser la prise au vent favorise le contrôle de la trajectoire pendant la chute libre. Oh putain. Mec, J'ai l'impression que c'est de porter un masque de la Commedia dell'arte, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, faut que je fasse tout en 25 secondes. C'est celui de ton décor? Non, rien à voir. Rien à voir. Celui de mon décor, c'est celui de... du château dans le ciel. Full sprint. Mec, en vrai, je pense peut-être même que le sub 20 est possible, non? Sub 20, c'est très dur, hein. Mon record est enregistré. Mais attendez, mon record, il est enregistré en ligne, genre? Ah non, c'est juste... il l'enregistre, quoi. Ok. Vas-y, j'essaie de full... Je vais full...
Run tout du long, genre. C'est fast, c'est fast, c'est fast. Mmh, 21 18-20 Non, c'est pas possible. T'es un menteur. 18-20, je te crois pas, frère. Hein. 18-20, t'es vraiment Oussama Hamar, là, frérot. Ah non, c'était sur une autre, mince. Bien rattrapé. Bien rattrapé. Merde, mais attends, mais merde, non, j'ai full troll. On peut recommencer ou... Comment je fais pour recommencer? C'est trop bien le air control de zinzin qu'on a, genre. Oh putain. Ok. Est-ce que tu perds pas du temps à appuyer sur A pour sauter? Si, je pense, t'as raison. Ah mais oui, putain, merde. Ah oui, 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 oui. Oui, c'est optimisable, je pense, t'as raison, vas-y, on va faire ça. Mec, je veux mon sub 20. Le sub 20 est doué. Bouh! Putain. Par contre, faut vraiment ne pas être choqué par les nuages, hein. Oui, si je cours, ça le fait, en fait. Oui, c'est vrai que ça me fait perdre au moins une seconde la petite animation au début, je pense. Si je saute pas au début et que je fais full sprint, normalement, c'est faisable. Mais full sprint, ça a l'air très, très dur. Hein. Merde. Ah, j'ai complètement full troll là. Ah ouais, non, mais vous avez vu à quel point il est difficile le sub 20 là? Genre là, je suis arrivé à moins de 22 quoi, mais sub 20 c'est impossible, mec. Non, laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber, bro. Non, lâche, drop this. Je pense qu'il est impossible le sub 20 sur ça. Ou alors, à moins que la potion de vitesse nous fait aller plus vite dans les airs, ça me paraît impossible. Le speedrunner qui abandonne. Bah, faut savoir être humble, hein. Faut savoir, savoir quand des trucs sont pas faciles, hein. And then he got this run. The world record history on the dive minigames in Breath of the Wild. Ok, où est-ce qu'on pourrait trouver d'autres sanctus? D'autres petits sanctus? Ou alors des petites quêtes annexes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah oui, Tears of the Kingdom du coup. Oui, en effet. Non mais excusez-moi, je suis resté bloqué sur l'autre jeu. Petit Korogu ou... Nice. Ils sont chiants ces Korogu parce que t'es obligé de perdre de la hauteur, genre. Alors, il y a un sanctuaire là, mais mec, il y a tellement de sanctuaires ici, là, sur ces collines-là, là. Il y en a trois, genre. Il y en a trois, frère. Vas-y, on y va.
D'ailleurs, t'as eu le zoom-in sur le Korogu avant d'aller dans la forêt pour la première fois? Non, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Au fait, où est ton pull? Attends, bah dans mon armoire. Alors, je suis pas obligé de porter un pull tous les jours. Enfin, je... C'est quoi cette question, frère? C'est pas parce que j'ai un nouveau pull que je dois le porter tous les jours, hein. C'est parce que t'as court-circuité? Qu'est-ce que j'ai court-circuité? Il y a une quête normalement pour la forêt? Bah oui, il y a Noya qui me disait d'y aller, genre. La quête de la forêt Korogu, on te la donne après les donjons. Ah, c'est pour ça. J'ai encore filouté. Mec, j'ai encore filouté, bro. Bro can play the game normally, quoi, genre. Arrête, c'est littéralement mon à propos sur YouTube. Mon à propos sur YouTube, c'est littéralement je ne sais pas jouer au jeu normalement. Donc bon. Pour ma défense. Tu as un gars à l'entrée avec un Korogu et il donne la soluce. Parce que moi, il y avait personne pour me donner la soluce. Hein. Il y avait zéro indice. Hein. Après, vu que le jeu est pas linéaire, c'est PG. Oui, bah le jeu a été pensé pour qu'on puisse souffrir dans le désordre, quoi. Justement, je trouve ça grave habile de se dire que ils ont pensé tous les souvenirs pour qu'au final, ça soit autosuffisant, etc. Et que... Et que genre... Par exemple... Bah, quand tu vois un peu les souvenirs, et que... Mais pas jusqu'au bout, et qu'ensuite tu trouves la Master Sword, bah tu sais, tu fais les liens un peu entre tout, quoi. C'est trop stylé. Ça me donne envie de faire la même chose, Toutoun. Ça me donne envie de faire la même chose, Toutoun, j'avoue. J'avoue. J'avoue, je jure que le zoom-in sur le Korogu, il m'a sorti du jeu, ils sont trop forts. Hein? Comment ça il t'a sorti du jeu, genre? Tu viens de dire, il vient de me sortir du jeu et ensuite tu dis ils sont trop forts, genre. Il t'a sorti du jeu ou t'étais immergé? Oh, t'as un golem avec toi, parce que j'ai joué au jeu essentiellement. Ouais. Ça paraît fou. J'ai inversé les mots. Effectivement. Ouais, c'était... J'avais pas compris. Mais il y a un sanctuaire ici que j'ai pas fait? Comment ça se fait que je l'ai pas fait? Il me faudrait des cornes de dragon. En vrai, je pense que je les dupliquerai après le 100% les cornes de dragon. Pour pouvoir faire des potions de vitesse niveau 3. Et potions de vitesse niveau 3 pendant 30 minutes. Ça, c'est vraiment grotesque. Hein. Et t'as remis dedans. Ok. Tu as essayé le jeu sur émulateur? Non, pas encore. Mais j'aurai l'occasion, vous inquiétez pas. Tout caloku. Pas pour le prochain donjon? Non, pas ce soir, pas ce soir. On fera le prochain donjon et tout, je pense, et la fin du jeu ce week-end, je pense. Enfin que les élites des sanctuaires peuvent être trop facilement contournées. Non, parce que justement, c'est contourne... Le fait de contourner comme ça les quêtes de sanctuaires sont pensées, en fait. C'est pas en mode « Oh putain !» Les devs qui étaient là en mode « Oh putain, j'y ai pas pensé !» C'est que justement, en fait, y a pas qu'une seule solution, en fait. Il y en a plusieurs. Et c'est ça que les gens... C'est pour ça que les gens m'ont cyberharcelé, en fait, dans le premier... Dans les premiers épisodes. C'est parce que je ne faisais jamais les solutions que eux avaient fait. Et en plus, je n'avais pas vu les trailers, donc du coup, je savais pas comment cook les pouvoirs parce que je me l'étais pas spoil, tu vois. Et donc du coup, non. Non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, justement. Moi, je pense que justement, ils ont fait exprès de coder la physique d'une certaine manière et de faire les sanctuaires d'une certaine manière qui fait que... bah, du coup...
qui ont codé les sanctuaires d'une certaine manière qui fait que bah c'est faisable quoi. Et c'est totalement pensé, genre là tu vois je vais totalement filouter et je sais pertinemment que les développeurs ont déjà pensé à ce filoutage, tu vois. Tu vois, ce filoutage, je pense que les devs y ont bien pensé, quoi. Vraiment, hein. Bro is filouting. Merci d'avoir suivi ce sanctuaire. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre le like. N'hésitez pas à mettre le like. Ouais. Bah oui. Et je vous jure, je suis sûr, mais ma main a coupé, que les développeurs ont pensé à ces skips-là, parce que c'est tellement évident, c'est même pas un glitch, c'est genre... Donc, pour moi, c'est pas... Pour moi, si ça a été pensé pour, justement, pour qu'il y ait plein de solutions, justement, pour moi, c'est pas mauvais. Et je pense même qu'en fait, ils ont fait exprès de laisser ces moyens de filouter, pour que le joueur il se dise « Ah putain, tu vois, je suis... » Que ça donne un peu de satisfaction au joueur, tu vois. Que comme ça, le joueur il se dit « Ah putain, je suis encore plus smart que le designer et tout. » Le designer, il a pas pensé qu'il a laissé ça. Sauf que vous inquiétez pas, le designer, il sait très très bien ce qu'il fait, hein. C'est son métier, hein. Il est payé pour ça depuis des dizaines d'années. Il sait ce qu'il fait, hein. Mais et c'est ça que j'ai envie de dire à tous les gens qui me disaient quand je débutais le jeu « Julgan, utilise ton cerveau, réfléchis, bon sang, ça me frustre !» Parce que, bah, en fait, juste non. Enfin, je ne me suis pas spoil les pouvoirs, donc du coup, je savais pas du tout comment les utiliser. Donc du coup, je savais pas comment utiliser des artefacts non plus, donc voilà. Et ces mêmes personnes-là sont allées voir la Solus pour pouvoir faire la quête des auras pour le Temple de l'eau. Non mais j'ose le dire, ces mêmes personnes sont allées sur internet pour trouver comment trouver la quête Zora. Non, j'ose le dire. Le soleil sera bientôt couché, si j'étais toi, j'irais pas m'aventurer dans la forêt là derrière. Il y a un monstre super balèze qui s'est installé dans le coin avec sa clique. C'est l'angoisse, je te jure, est-ce que tu te rends compte? Et puis, regarde ça. J'ose même plus m'approcher du puits que j'ai creusé à cause d'eux. Enfin bon, ça c'est pas si grave, j'en ai creusé un autre, mais j'ai tout le temps pour qu'il débarque au relais en pleine nuit, j'en ai perdu le sommeil. Au début, je me suis dit que pour les chasser, j'avais qu'à leur tomber dessus par derrière sans qu'ils me voient. J'ai pas réussi, mais je suis sûr qu'il suffirait d'arriver à déloger le plus gros. En tout cas, je te conseille de faire attention si tu vas dans la forêt. Quand il pleut, les monstres ont plus de mal à te sentir venir, mais ça veut pas dire que le danger est écarté. C'est trop stylé, vous avez vu, j'ai l'impression qu'ils ont fait quasiment des... comment on appelle ça? Ils ont fait des dialogues... Ils ont fait des dialogues au cas où il y a de la pluie pour quasiment tous les PNJ, genre. C'est une dinguerie, ça, hein. C'était full évident, les auras? En vrai, il y a des moments où... Pour moi aussi, c'était évident, mais il y a des moments où la quête Zora, elle est pas très intuitive. Mais enfin, Sar, tu connectes tes deux neurones, normalement, c'est fine, hein. Mais c'est juste que je pense très sincèrement que c'est les mêmes gens qui disaient « Julgan, tu n'as pas de logique !» Alors que les frérots n'arrivent pas à assimiler le théorème de Pythagore. Enfin bref. Non mais j'en parlerai dans ma conférence. C'est juste que je me suis pas spoil quoi, vraiment. Hein. Le truc c'est que, bah c'est sûr que quand tu regardes le gameplay de Aonuma qui te montre comment crafter un radeau, bah c'est sûr que c'est plus simple de savoir comment faire un radeau, tu vois. OMG, que des alphos? Ouais, c'est vrai, t'as besoin de ton cerveau pour la larme et le roi en vrai. Mais oui, mais c'est surtout... Ils étaient là en mode « Julgan, t'as pas de logique !» Sauf que, en fait, je n'ai regardé ni le trailer ni le gameplay. C'est sûr que si t'as regardé le trailer et le gameplay,
Bah mec, ils t'ont littéralement montré comment jouer au jeu. Sauf que bah quand t'as pas vu tout ça, bah c'est juste évident que bah je sache pas comment faire. Puisque ils t'expliquent à aucun moment dans le jeu, tu vois. Il y a tout le monde, il y a tellement de commentaires dans les premiers épisodes où les gens ils disent « Putain, Jugan, tu me frustres, j'arrête de regarder Let's Play, tu t'arrives même pas à connecter deux neurones. » Frérot, c'est juste, je découvre le jeu, et donc du coup, il y a plein de nouveautés, et j'ai pas regardé les trailers, et ni le gameplay, tu vois. Genre. Que feras-tu si cette pluie ne s'arrête jamais, partenaire? Inutile de répondre, ça ne risque pas d'arriver, mais écoute plutôt ça, un petit oiseau est venu me siffler une nouvelle rumeur à l'oreille. Elos, le responsable du radeau, dit qu'il aurait prêté des outils à Dame Zelda une nuit et qu'elle ne les aurait toujours pas rendus. Ça n'a pas l'air passionnant, dit comme ça. Je te l'accorde, mais pourquoi la princesse avait besoin de ces outils? Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec le fait que les armes se sont corrodées lors du cataclysme? Non, non, non. Avant d'émettre des hypothèses, il me faut d'abord les faits. Nous devons tirer cette histoire au clair, partenaire. Ah! C'est cool. J'aime bien ces cut-in où ils donnent l'emplacement de la quête. Il donne l'emplacement de la quête sur la map, ça c'est cool. C'est toi qui lui as réglé son compte assez horriblement, c'est pas vrai? J'en étais sûr, j'étais caché derrière les armes, mais je me disais bien que c'était toi. Ouah, c'est génial, tu m'arrives même pas quand je suis soulagé. J'ai pas de souhait à donner, je suis trop petit, mais tiens, voilà deux points relais pour toi. OMG, récompense? Je t'ai fait spoil? Oui, des petits trucs, mais en vrai ça va. Tu as bien le courage de travailler aussi tard. Bienvenue au relais des marécages. Tu as le droit à un point supplémentaire, mais mec. Je peux claim une récompense. Je crois que c'est juste de pouvoir enregistrer un cheval de plus. C'est un peu de la merde, hein, mais bon. Moi, je trouve c'est bien d'en avoir sans sa force à réfléchir. Hein? De quoi tu parles, Spiritum? Spiritum? Tu as échangé tes points relais en échange de tes 26 points. What? J'ai 26 points? Tu es pas sympa. Ouais, je suis pas sympa, ça doit être ça, ouais. Demain, ZZ, promis. Tu as besoin de quelque chose? Je suis censé aller étudier les vestiges circulaires du village Cocorico, mais bon. Oh, je vais pas être sympa avec des viewers qui sont pas sympas avec moi, frère. Bah, je... Évidemment que si on me dit clochard, tu sais même pas faire un radeau, connecter deux neurones, tu as zéro logique, je vais dire oh putain mec, t'as raison. Oh putain mec, désolé, je suis désolé d'être un peu con. Je suis désolé d'être bête. Désolé de vous proposer ce mauvais contenu. Non, tu vois, genre c'est évident. C'est pas le moment pour y aller, de toute façon, le coin n'est plus très sûr à la nuit tombée, j'irai demain, c'est plus prudent. Le village Cocorico ? Sur la route qui part vers le sud, depuis le relais, tu trouveras un chemin qui part à travers la montagne. Mais mec, j'ai toujours pas trouvé comment faire le village Cocorico, c'est une dinguerie ça. Tu as alors ce chemin pour arriver... Il est moins difficile à trouver depuis la chute des vestiges circulaires. Le cataclysme, tout un tas de ruines, Sonaos sont tombées du ciel et font l'objet de recherches un peu partout. Celles qui sont tombées ont une forme surprenante circulaire et ce n'est pas tout, il y a des inscriptions. Sonao parlant de sages et de rois démons. Le chef de notre groupe d'archéologie est le seul qui soit capable de déchiffrer cette ancienne écriture. Il mène donc en personne les fouilles là-bas. C'est une sacrée affaire qu'il n'a pas fini de faire couler l'encre. Je fais partie du groupe d'archéologie. Je devrais rejoindre les ruines, mais je préfère attendre la levée du jour. Les monstres nocturnes s'en seront allés. La route sera plus sûre. OMG. Il y a trop de monstres. Du coup, je vais faire la quête, là, qui m'indique. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, l'ami, mais je peux pas t'aider pour le moment. Parle-moi de Zelda. Est-ce que par hasard, ce serait toi, le partenaire de PEM? Eh bien, je ne voudrais pas avoir l'air de dire du mal de Dame Zelda, mais elle ne m'a toujours pas rendu les outils agricoles que je lui avais prêtés. En descendant cette rivière, on arrive à un endroit qui s'appelle le banc fleuri. C'est là-bas qu'on causait s'en servir. La rivière est tombée. La rivière est pleine de trucs tombés du ciel. Et je suis pas assez agile là-bas pour naviguer dans ces conditions. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Ah, si seulement quelqu'un pouvait naviguer ce bateau, ce radeau pour me conduire jusqu'au banc fleuri, ça simplifierait bien les choses. Oh putain, si seulement, si seulement. Mec, j'ai toujours pas utilisé mes amulettes. Faudrait que je les utilise. Faudrait que je les utilise, mes amulettes. Mais à chaque fois, je n'y pense pas, genre. Thank you.
Tu es perma, si spoil, tu bannes. Astro randomizer. T'aimes trop parler en randomizer, j'ai remarqué. Tiens, je peux te conduire, j'ai le permis. Je vais te conduire. Ah, tu veux bien me conduire jusqu'au Blanc-Fleury? Merci, dans ce cas, je vais pas me faire prier. N'oublie pas de couper la corde avant qu'on se remette en route. Mec, le Blanc-Fleury, c'est pas là où il y a la meuf qui pète un câble, là? Attends. Je peux passer ou je suis baisé, là? Pas très fort. Oh. OMG, une étoile filante. OMG. Mec, j'ai un coup de barre de zinzin là. Je vais m'endormir à 23h genre. Je le vois, c'est tout droit. Jure, merci Jospé pour le raid. Mec, tu joues au jeu de la décennie ou... Bienvenue à tous les Jostan. Les Jospestan. C'est les Jostan, c'est ça, hein. Salut tout le monde, alors désolé pour le follower only pendant un mois, c'est pour éviter les spoils évidemment parce que j'ai pas encore fini tous les donjons, j'ai pas encore terminé le jeu. Jostan, putain, W name. Mais voilà, on cook le 100% quand même, on doit être genre à 90 sanctuaires, 170 Korogu, 4 donjons terminés. Bientôt une centaine de quêtes annexes. Franchement, je pense que j'en ai terminé pas mal des quêtes annexes. Oh, yo, on est arrivé. Tu es vraiment doué, tu sais. J'avoue que j'ai eu quelques frayeurs, mais t'as une super technique de navigation. Tiens, quelque chose... Non. Quelqu'un est arrivé par le ciel. OMG. Mec, il va me donner la tenue de Batracien. Ça y est, je t'ai enfin attrapé, j'étais en train de chercher des indices quand je vous ai aperçu tous les deux sur votre radeau. Je me suis dit que tu avais peut-être découvert quelque chose, alors je vous ai suivi. On est où, là? Dites donc... Oh! Le retour! Le retour de ce PNJ! Oh, putain! Dans Breath of the Wild, c'est la Big Maniac qui est matrixée par les plantes, par ses fleurs, et même, en fait, si tu piétines ses fleurs plusieurs fois d'affilée, il y a une cinématique cachée où j'aurais cours partout et tout, et elle est en mode full malveillante. Magla? What? Magda? Celle des fleurs, ouais c'est ça, c'est ça. Je vais pousser de précieuses fleurs ici, alors vous allez me faire le plaisir de pas mettre vos sales pattes n'importe où. Si vous piétinez mes plantations, je ne vous le pardonnerai jamais. What? Aigri. Wow, c'est qui celle-là? Tu la connais, partenaire? Non, on n'est pas venu faire du piétinement de fleurs, je suis juste venu chercher les outils agricoles que j'ai prêtés à Dan Zelda. Du piétinement de fleurs, il manquerait plus que ça, non mais ne vous avisez pas d'en cueillir une seule. Hein? Attendez, des outils agricoles, vous avez dit? Oui, c'est bien ce que j'ai dit. J'aimerais bien qu'on me rende les outils agricoles du relais que j'ai prêté à Dame Zelda. Ah, je vais vous présenter des excuses, c'est moi qui ai ces outils. Vous êtes bien dans le jardin floral secret de Dame Zelda, et moi, elle et moi, y faisons pousser les plus beaux spécimens. La princesse y met beaucoup d'ardeur, sans craindre de se retrouver couverte de boue. Elle comptait vous rendre vos outils une fois que nous aurions fini d'installer nos massifs? Attends, quoi? Ganondorf, il cook un jardin, genre. Ganondorf, il arrose des petites fleurs et tout, il fait comme Thanos dans Endgame, genre. J'ai entendu dire que la princesse avait disparu il y a quelques temps, non? Et alors que je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire, ces espèces de ruines sont tombées du ciel. Depuis, je fais de mon mieux pour tout nettoyer. Oh, c'était donc ça. Maintenant que j'y repense, je ne lui ai jamais dit clairement quand je voulais qu'elle me les rende.
Et du moment qu'ils ne sont pas cassés ou perdus, il n'y a pas vraiment de problème en fait. Maintenant, c'est moi qui me sens mal de vous avoir pressé. Un jardin floral secret, reconstruit Hyrule main dans la main avec les gens du peuple, je reconnais bien là, Dame Zelda. Je sais tant bien que mal de rendre au parterre de fleurs son apparence d'origine. Et toute seule, ce n'est pas facile. C'est sûr que ces outils sont pas légers, et puis il faut savoir s'y prendre pour les utiliser. N'allez pas vous faire du mal surtout. Bon, eh bien moi, je vais pas tarder à retourner au relais. Pourquoi vous me regardez avec ces yeux tout scintillants? Vous avez envie de m'apprendre à me servir de ces outils, est-ce que je me trompe? Vous voulez venir en aide à une dame dans le pétrin? Je suis pas sûr que ça soit ça. Qui lui dit? Dos Shino. Non, non pas du tout. Je vois, vous êtes du genre à dire le contraire de ce que vous pensez, ça ne me déplaît pas. Très bien, alors pour commencer, il va falloir bien retourner la terre pour qu'on puisse y replanter des fleurs. Comme ça, quand son Altesse reviendra, elle découvrira le plus beau jardin floral de tout Hyrule. Alors on remonte nos manches et on se met au travail tous les deux. Ah, je crois que quoi que je dise, je ne me sortirai pas de cette situation. Et puis, ce serait embêtant qu'elle se blesse avec mes outils. Bien, c'est d'accord. Puisque je suis ici, je vais vous aider. Ouais, bien, je vais rester ici. Et puis, c'est pas comme si j'étais très occupé. Est-ce que je peux finir la quête ou je dois rester aider? Eh bien, on dirait que l'affaire est réglée. Cette histoire m'a donné un aperçu de la bienveillance de Dame Zelda. Jure, bienveillance. Ouais. Princesse proche du peuple. Il y a de quoi faire la une de la gazette. Attends le prochain numéro, tu ne seras pas déçu. Alors, faisons les comptes. Nous avons fait la lumière sur 9 rumeurs en rapport avec la princesse Zelda. Attends, mais on avait déjà fait la lumière sur 9 rumeurs, non? Il semble qu'on avait déjà fait la lumière sur 9 rumeurs. Il semblait que c'était la 10e, là. OMG, vite, on a les janvières. J'ai hâte d'avoir le full set, c'est une pièce d'équipement rare qui te permet de rester collé aux parois même par temps de pluie. Tu devrais porter tout l'ensemble quand tu enquêtes les jours de pluie, tu aurais une classe folle. Mec, j'ai hâte d'avoir le full set parce que comme ça, je pourrais grimper là où il y a de la pluie même sans glisser, tu vois. Et ça c'est beau franchement. Banc fleuri. Qu'est-ce qu'il trouve à dire? Il faut que je me dépêche. Ça fait quoi si je piétine? Oui, ça fait mal, quelle souffrance, pourquoi faites-vous cela? C'est en gros ce que pourraient dire les fleurs que tu viens de maltraiter. Tu veux bien éviter de semer la pagaille dans le plus beau jardin floral d'Hyrule? Mec, j'ai trop envie. J'espère qu'ils aient mis la... J'espère qu'ils ont mis genre une cinématique cachée comme dans Breath of the Wild. Quand on le fait... Je sais plus au bout de combien de fois c'est dans Breath of the Wild, mais c'est quand on le fait à répétition un peu, genre. Aïe, encore une fois, ça fait mal. Qu'allons-nous nous venir si on arrache nos pétales? Faire souffrir de belles choses telles que nous, sans le moins de scrupules. Comment peut-on seulement faire un tel manque de cœur? C'est en gros ce que pourraient dire les fleurs que tu viens de maltraiter. Tu veux bien éviter de semer la pagaille dans le plus beau jardin floral d'Hyrule? Non. Non. Du coup? Mais aïe quoi! On se tue à vous le répéter! Ça fait mal bon sang! Nous autres les fleurs avons pour habitude d'être aimées et considérées dans le monde entier, vous savez. En général, les gens nous considèrent comme belles ou admirables. Qu'on veuille nous couvrir d'affection, on peut se comprendre. Mais il n'y a aucune raison de nous faire souffrir ainsi. Oh, ça y est, mais oui, bien sûr. Non, mais... Sister thinks she's a flower. Hein. Mais oui, bien sûr, vous êtes une de ces horribles personnes qu'on appelle des sadiques. Hein. Oh, quelle horreur, c'est effrayant. En tout cas, n'approchez plus de nous, c'est bien compris. C'est en gros ce que pourraient dire les fleurs que tu viens de maltraiter. J'espère que le message est passé et que tu ne recommenceras plus. Et si je le fais encore une fois, genre, pour voir, Mais aïe quoi. Ah merde. Oh non, putain, ils ont enlevé la cutscene. Oh j'ai le seum, mec, la cutscene a été trop bien dans Breath of the Wild. Où elle nous courait partout carrément et elle faisait trop peur la cutscene, genre vraiment. Non, je pense c'est... Après là c'est que le... C'est que le même message, je pense. Une dernière fois, hein, mais... Ouais, non, je pense que c'est mort. Ça fait 3 fois qu'elle dit la même chose. Dans Breath of the Wild, il faut pas le faire tant que ça. Vas-y, une dernière fois encore. Ouais, non, c'est mort. Putain, ils ont nerf la meuf des fleurs, ils l'ont nerf, mec, Sage. J'ai pas envie de faire la vanne où je mets One Earth Snowfall, parce que après c'est démonétisé, frère. J'étais juste venu chercher mes outils, si j'avais su ce qui m'attendait.
Mais pour le bonheur de Dame Zelda, je ferai de mon mieux, moi aussi. Le moment n'est pas au repos, j'ai du travail qui m'attend. Je dois au plus vite remettre en état le plus beau jardin floral d'Hyrule pour qu'il soit prêt au retour de la princesse. Ça doit être ça. Un petit Korogu ici, ou... Ok, pas de Korogu. Plus de follower Blight Ganon, sad. Ah putain, ici j'avais essayé de le faire mais j'avais pas encore de fusée. Attendez. Le journaliste oiseau, il s'appelle comment? Il s'appelle Pen. Il peut brûler ses fleurs. Bah pas en temps de pluie, non, je pense pas. Ici, on y avait déjà été, mais je crois qu'on l'avait pas eu, justement, ce Korogu, parce que je savais pas comment faire. Je vais faire tous les Korogu. Ouais, c'est l'objectif. Je vais essayer de finir le jeu à 100%. On va faire le défi du 100% en moins d'une semaine. Oui, vous inquiétez pas, on fera ça cet été. Je peux ou... Ok. Combien de sanctuaires? J'en ai 90 là. I am cooking the game. Hein. On va tester le truc batracien là. Parce que pour l'instant j'ai le haut, le bas, mais j'ai pas encore la tête. Genre normalement je pense que quand on aura le full truc, on pourra grimper autant qu'on veut. Genre là déjà on grimpe autant qu'on veut là quasi. Ah ouais non pas autant. Pas un peu plus que sous que... Enfin un peu plus longtemps que d'habitude mais pas autant genre. Ah c'est galère. T'as pas encore fait le jeu à 100%? What? Julgan, le jeu est sorti il y a une semaine et t'as toujours pas fini le jeu à 100%? Alors que Aonuma a dit que le 100% prenait un an, genre! What the fuck, Julgan? Tu trolls, hein. Tu trolls. T'as joué bientôt 80 heures à Breath of the Kingdom et tu n'as toujours pas fini le jeu à 100%? Hein? Bah, c'est ton boulot de finir les Zelda. Oui, mais là, c'est normal, je découvre. Je découvre, je peux pas le finir à 100% day one, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y avait, de base, j'allais chercher les sanctuaires qui étaient par là, donc on peut aller là. Elle est belle cette tenue, j'aime bien en vrai. On pourrait faire des caves en vrai aussi. 50 heures pour finir à 10%. Oui, si tu rushes la quête principale. Mais si tu fais les sanctuaires, les quêtes secondaires et les Korogu comme moi, ça prend vachement plus de temps. Le jeu est sorti il y a une semaine et t'as 80 heures? Ouais! J'ai même 90! Ouais, j'ai même 90! Si on additionne toutes mes saves. Que 90, je dirais. Mec, si j'avais pas les études, j'aurais eu le temps de cook, hein. Crois-moi. J'en ai 100, 135, 105 pour moi. What? Bah, ça pue, bah, ça pue. Ceux qui ont plus de 100 heures, allez trouver un taf. Oh, le CSC le plus magistral que j'ai jamais vu. Le CSC le plus magistral que j'ai jamais vu, genre. Je travaille, bro. Ouais, mais t'as plus de 100 heures de jeu, non? CSC, c'est le rappeur dans la dernière vidéo, De Mister V. J'ai joué au leak. Mec, c'est pas une excuse.
Orlik, t'es à combien? Len is. Je suis à 85 heures. Je vais faire l'histoire de Bressa ou TOTK. Sans hésiter, TOTK. Hein. Vraiment sans hésiter. L'art de la propulsion. 187 heures ici, mais quoi? Et bah putain, ça c'est bien les... Ça c'est... Ah, ça pue! C'est bien les modos de chez Jossplay, ça. J'ai fait le 98%? Comment ça 98%? Ah, t'as fait le jeu sans les Korogu? T'as tout fait sans les Korogu, genre. Plein des 100%, c'est trop long. Mec, moi je vais le chercher. Et je vais pas le faire qu'une seule fois, le 100%. Ça serait trop facile. De toute façon, j'apprendrai le speedrun du 100% de TOTK un jour ou l'autre. Ça sera cool. Je suis plus de 100 heures et je suis même en train d'y jouer en ce moment même. Ce jeu aspire mon âme, logique. Ouais, tu dis que tu vas au moins faire 1500%? Ouais, c'est ça, ouais. Sur vidéo, je no-hit tous les Zelda à 100%? Vraiment pas, hein. Mais alors là, vraiment, vraiment pas, hein. C'est pas très dur. Est-ce que j'ai cherché le coffre? Truc des glitches pour Siren? Moi-même, non. Non, 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 mais c'est... ça m'est arrivé une fois dans ma vie en 6 ans de streaming, frère, donc... Laisse tomber, hein. C'est très rare, hein. Genre, en 3000 heures streamées sur ma chaîne, je n'ai découvert qu'une seule fois un... Et c'était même pas un glitch, c'était juste une optimisation qui aidait pour le speedrun, quoi. Ouais, sur SMO, ouais. Oh là là, tout ça pour un vieux bouclier, frère. Je sais pas pourquoi je suis autant fatigué, c'était parce que j'ai mangé avant le live. Tu comptes dans le 100% les coffres? Non. En tout cas pas dans le 100% de Breath of the Wild. Enfin pas dans le speedrun 100% de Breath of the Wild précisément. Ce qui compte dans le speedrun 100% de Breath of the Wild, c'est l'encyclopédie, tous les sanctuaires, toutes les quêtes principales, toutes les quêtes annexes, tous les Korogu. Tous les objets spéciaux, donc c'est-à-dire tous les items de chevaux, machin, les selles, les machins. Jospé m'a ban une semaine juste parce que j'ai mis un poulpe dans le chat. Ça m'étonne tellement pas de Jospé. Après, c'est vrai que mettre un poulpe dans un chat Twitch, c'est quand même... c'est l'action PNJ par défaut. En fait, c'est l'action du mec qui découvre Twitch, quoi. Et j'avoue, arrêtez de vous blinder ici. Le frérot, il a cru que c'était le... Il a cru que j'étais son secrétaire, genre. Ici, ça a Banworld le poulpe, carrément. Non, mais vraiment. Le mec est un NPC, réel. Comment ça, mettre un poulpe? T'inquiète, pose pas de questions. C'est moi qui les ban. I can't.
Faut que j'aille sur la colline Google, je crois. Ouais, le mont Google. Y'a pas des petits Koroks par là, genre? T'as dépassé Sauron en abonné? Ça fait un petit moment, non? Ouais, ça fait un petit moment. En ce moment, avec les découvertes enfin, avec TOTK, j'ai plein de... Genre, je sais pas vous, mais moi, j'ai plein de créateurs... avec pas tant que ça d'abonnés qui émergent, genre. Sur ma page d'accueil YouTube. Ça me fait plaisir, genre. Genre qui font du contenu Zelda. Genre, je vois des VOD qui ont même pas 20 vues, tu vois. Ou alors là, par exemple, genre, je voyais... Tears of the Kingdom, ouverture du coffret collector, tu vois, des trucs comme ça. Ça fait plaisir. Enfin, YouTube se sort les doigts du cul pour présenter des petits créateurs, genre vraiment. Ah ah. Faut que j'aille au mon Google, vite. Le mont Golemont, c'est quoi ce bruit de Golemont là? Non, je le sentais déjà cook sur les troncs là. Après, le bon point c'est que tu sais où est-ce qu'elle va la fleur quoi. C'est quoi ce bruit de Goron là? Oh, oh. Oh. Le mont Google, c'est une référence à Minish Cap? Ah bon? Pas une référence à la firme multinationale du nom de Google que tout le monde utilise tous les jours. J'aurais cru pourtant. Je marche comme Link dans le monde des Gorons. Ouh. Non, c'est une ref aux gens qui spoilent les gogoles. What? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Pas moi. Pas moi. C'est le mec qui fait une référence à l'emote. Il est où le sanctuaire, frère? Il est dans une grotte, là. Yaaam! Les PNJ qui spoilent dans le chat, frère. Ok, boum. Au. Battons-nous, Merci Yogiba pour le prime.
Mec, je m'endors en rêvant du jour où je vais drop la sword de Ganondorf de TP. Mec! Même moi, tu sais, le mec a oublié qu'il l'avait en sa possession. Mais il est où? Il est où? Il est où? Après, théoriquement, tu peux respawn. Enfin, si t'as l'amiibo, tu sais, tu peux sauvegarder et le faire respawn en boucle, mais. Vous êtes où, le sanctuaire? Vous êtes où? Là, peut-être? Non. Ah, ici. OMG. On est 12 000 sur la chaîne. On a 12 000 followers sur la chaîne. On est 12 sur le live. C'est tellement la goat référence. Grotte du mont Gongol. C'est quoi ce mont de Golmont là? Ok, ils sont 11 000, pas 12K. Nerd. Oui, c'est vrai. Vous êtes 11 000 sur la chaîne. Vous êtes 15 sur le live. En vrai, c'est pas si aberrant que ça comme stat. Pour prendre sa défense. Le petit Unobs. Je me mets limite dans la mer. Limite dans la mer pour faire des jeux à la sortie. Et vous, vous me spoilez. Vous êtes où les gens qui spoilent pas? Au secours. Où est Unobs? Unobs. Unobs. On est là, hein. Ce que on est là veut dire. Chômage. Vous l'avez ou pas la ref? Vous l'avez ou pas la ref, les gars? Tac. Grim dans Zen. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, ça doit être ça. Oh, mec, t'as vu la vidéo, les 11 rapports à ne pas suivre? Non. Mais mon rappeur préféré, c'est Invento, clairement. Ok. Toi, t'as un chariot sur ton bouclier, et pourquoi pas? Et toi, pourquoi tu t'appelles Luna 120 de QI, alors qu'on sait très bien que tu as moins de 120 de QI? C'est le mec qui tag gratuitement. Le mec qui tag gratuitement, genre. En plus, vraiment, c'était pas méchant, genre. Alors que t'as mis un 0 de trop dans ton nombre. La malveillance. Malveillance max. Non mais je rigolais, t'inquiète. C'est juste pour vanner. C'est pour vanner. Non mais mec, par contre ça me rappelle trop le mec. Mec, je vais y penser jusqu'à la nuit des temps de ma carrière de streamer.
le commentaire. Genre, y'a un mec, il s'est fait ban. Parce qu'il a backseat sur Breath of the Wild jusqu'à la normale, tu vois. Y'a plein de gens qui ont été ban depuis le début. Et en gros, il a DM fast et tout en disant « Ouais, je comprends pas, je me suis fait ban parce que j'ai vu le puits, donc j'ai dit à Julgan, ouais, va dans le puits, peut-être qu'il y a quelque chose, parce que je me suis dit, il y a peut-être des trucs, des stuff à looter. » Et Fast, il a dit « Oui, mais justement, faut pas dire ça. » Il a dit « Oh, bon, c'est chiant. » Il a dit « Bon, bah, mon HPI me sert à rien, genre. » Il a dit « C'est chiant, mon HPI me sert à rien, genre. » Bro, il est HPI. Grâce à son HPI, il a compris qu'il y avait quelque chose dans le puits. Ouais. On a le screen. Non, vraiment. Mais j'ai rarement vu un aussi grand PNJ. Mais tu sais, le truc, ça sort de nulle part en plus, genre. Tu l'avais déjà raconté. Ouais, mais je farme les histoires, écoutez. Je farme les histoires. Et vraiment, il était dégoûté. Il était là en mode, tant c'est chiant, mon HPI sert à rien, genre. Bah non, il sert à rien. Tu la fermes. Tu la fermes, on veut pas spoil, ni de backseat. Putain, les gars, trop chiant. J'ai une mauvaise note sur le dernier contrôle sans réviser. Mon HP, il sert à rien. Ils sont où les derniers là? Ah, ils sont en bas. Trop chiant, j'ai la diarrhée. Moi, je péris, ça sert à rien. Comment ça, mon buff? C'est quoi un backseat? C'est le frère du Brexit. Pas mal, j'aurais pas fait celle-là. Mais bien tenté. C'est vrai comment il a écrit Baxi, tu sais pas. B-A-X-I-T, genre. Oh putain. Baxi. Merci Dr Lulu27 pour l'abonnement. Très bonne référence. Très bon pseudo en référence à Zuko Maze. Zuko Maze. C'est écrit comment PTDR? Vraiment, t'es la première personne que je vois mal écrire le truc, c'est fascinant, genre. C'est fascinant. Et plus, Lofi Remix de Dr Lulu? Je l'ai écouté, mais j'avoue, j'étais pas très fan. J'aime bien la version originale, moi je suis... Moi, je mets les vieux fringues, je mets les vieux queutru. Je mets les vieux queutru. Back seat. Ok. Pas d'autre. Back seat. Et on dirait un nom de sanctuaire. On dirait un nom de sanctuaire à ce stade. Ils mettent des noms de sanctuaires au pif dans le chat, là, je... Back seat. Bro just said... Putain... Merde, attends, j'ai pas eu l'Elusis. J'ai pas eu l'Elusis. Let me cook. Alors, let me cook, où est-ce qu'il pourrait être cet Elusis? Je pense qu'il est à l'endroit où on cassait les rochers. Genre là, ouais. Unobs? Il est où Unobs quand on a besoin de lui?
Oh, Younobs! Mais mec, y'a tout le monde sauf lui, genre! Ah si, il est là. Ok. Ah, nickel. Il est trop gros pour passer? What? Grossophobe, genre. OMG, rubis brut. Je pense qu'il n'y a rien d'intéressant par là, là. Après, c'est que du loot, quoi. Ouais. Ok, pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Qu'est-ce que je peux cook? Qu'est-ce que je peux cook? Ah! Il me manque la racine ici. Ah ouais, mais attends, c'est quasiment impossible de s'y rendre là, vu que... What? Comment tu t'y rends? Vous avez vu, il y a full mur tout autour, genre. What? Ok, j'ai bien envie d'aller chercher la tenue là, là. Encore une heure de stream et après je cut. Ouais. Ouais, je suis trop fatigué ce soir. Hein. Après, c'est aussi parce que j'ai des trucs à faire, quoi, mais... Le jeu m'est trop bien, vraiment. Il m'est tellement bien. Mais au moins, j'irai dormir assez tôt. Et comme ça, je pourrais peut-être faire une matinale demain. Parce que demain, je commence qu'à 14h, donc en vrai, je pourrais peut-être faire une matinale. Genre, à tout moment, je me réveille à 9... Ouais, mais j'ai mon premier Sentaleo. OMG, tu peux te barrer sinon ou... Mec, il a l'air costaud lui hein. Julien va bien badge, vraiment. Wow, l'armure! L'armure malveillante de fou! Frère, il va tout péter là. Je demande l'aide de l'arc de Wind Waker. Je crois en l'âme des cartes. Est-ce que j'ai d'autres? Ça aussi? Ça aussi? Ouais. Ah, ça aussi! J'ai pas eu d'esquive, genre. Oh, putain de merde. Mais alors là, je suis sacrément dans la merde, là. Putain, mais ouais, mais moi aussi, je cook rien avec les fleurs radieuses. Mec, y a zéro place pour avoir des plats. Voilà, je le dis, frère. Y a rien du tout comme place pour avoir des plats. C'est trop chiant, genre. Je vais crever, là. Juste parce qu'il est malveillant, je vais crever, genre.
On avait trois... What? Il est pas mort, genre. Voilà. Y'a un mec qui a dit GG. Y'a un mec qui a dit GG alors que je venais de mourir, genre. Viscère de Linel. Arc du dieu bestial. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas cook aussi, c'est un peu ça mon problème aussi, quoi. Petite séance photo, ouais, petit tranquillement, petite séance photo. Ouais. 44 ! Oh ouais. 40 ! Oh ouais, mais mec, mais... Mais les Sentaleo, ils sont tellement plus puissants que... Enfin, les loots sont tellement better que ceux des Griocs, vraiment, genre. Ça me terrifie presque. Ok, normalement, il y a ça dans le coin. En vrai, le loot du Griok, ça va. Franchement, mec, pour la difficulté que c'est, tellement pas, hein. Tellement pas, hein. Je trouve pas, franchement. Silvre Bubinga. Ok. Les Griocs, c'est pour l'honneur qu'on les combat. On veut rien en retour. Mais frère, mec, c'est trop chiant quand t'as rien pour cook, genre. Arrête, ceci dit, je peux cook. Arrête, j'oublie très souvent que je peux cook. Ouh! Cornes de bocoblin d'argent. Pourquoi les cornes de bocoblin d'argent, ça ressemble au truc pour... Genre, on dirait, vous savez, un peu les bonnets, genre, pour rompi, genre. On dirait les bonnets pour rompige, genre. Dans les films. On dirait un pénis. Ah ouais, donc toi t'as vraiment trop regardé de Nepport, quoi. Lui, il est à fond sur pH. Ah, potentiel hydrogène, ouais. Dinguerie, en vrai. Ok, bon, laissez-moi cook, j'ai besoin de cook. Le mec, c'est Washington DC, la Maison Blanche. What? What? Comment ça? Je la connaissais pas, celle-là. Ouais, je la retiens. Je prends note, carrément. Il se tire, le kid. Pas mal, pas mal. Ouais. Un, deux, trois, et fleurs radieuses, on peut peut-être en mettre deux, genre. Ah, pas mal. Mais ça pue la merde. C'est chiant, merde, les marmites, elles sont à usage unique, genre. OMG. Ok, bah là du coup c'est peut-être un peu mieux de manger, quoi. Ok, bon du coup moi de base je voulais aller là-bas là. Tu connais Astérion ? Le mec dans la mythologie grecque ou Astérion le bon ?
Merci Nileno pour l'abonnement, bienvenue. Qu'est-ce que c'est un like-like là? Ah non, c'est un inox, ok. Que dalle, frère. Zuldan a réutilisé une flèche. Qui sait qui peut juste lancer les graines. Amphithéâtre reculé. Oula. Oula, mais attends, mais il est malveillant le coffre là. Je sens un combat là. Oula, 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 oula. Non mec, on va pas enfreinter un griot en dessous quand même. Oh non, ça va être genre la caverne de Lord Dali là. Ok, eux ils sont de glace. Ah putain, mais ouais, c'est en rêve. En fait, je crois que là on est en dessous de. Je crois que là on est en dessous du. De l'amphithéâtre. Et c'est vrai que l'amphithéâtre en fait il est connu pour avoir pas mal de. Comment on appelle ça? De d'armes, d'éléments, etc. Genre. C'est quoi qui fume l'électricité, genre? Le sol. Le mec s'est cru dans Minecraft, dans Pokémon, c'est. Ouais, dites rien, évidemment. Mec, elle est tellement belle cette épée. Pff. OMG. Attends, mais c'est une dinguerie ça, la matraque glaçante. Nouveau nom que je donne à mon zizi. Ok. La matraque. La matraque. La matraque glaçante. De streamer. Tellement malveillant. Oh, attends, le grand boomerang. Comment il s'appelle? Cervical. Cervico. Vertébré. Ok, j'étais pas loin. J'ai essayé de pre-shot. What? Mais mec, mais attends, mais ils sont en train d'être fumés là. Ah mais en fait le grec il est pas mal en fait. Ah putain.
D'accord, il faisait pas beaucoup d'attaques, mais il avait quand même l'élément, quoi. C'est bon, c'est fini ou... Ok. C'est enfin fini, putain. C'était long. Que de l'Esalfos d'argent. Que les boucliers Lesal robustes. Griffe de l'Esalfos. Bon alors, c'est quoi le... C'est quoi le coffre? OMG. Petite capuche de la Vio, sympa! 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 Moi je stream. Où est-ce que... Alors attends, est-ce qu'il y a une racine pas loin? Je pense pas, hein. Vous savez quoi, si je fais ça, je peux pas? I can't. Ok, bon, je m'attendais à mieux quand même. Est-ce qu'on a des quêtes de sanctuaires en suspens? On les a toutes faites, les quêtes des sanctuaires. Lui, je crois que si on se TP, on peut lui montrer la photo qu'on a pris des squelettes. Donc je vais TP ici. La TP, on la débloque loin dans le jeu ? Non, tu la débloques très très tôt. Hein. Vraiment very early. Et lui ? Attends, c'est qui a besoin qu'on lui parle ? C'est lui ? C'est nous ? Non, attends, c'est... What? Ah, mais merde, il est dehors. Est-ce qu'ils existent? Merde, j'en ai pas pris en photo? Ah putain, il me semblait que j'étais persuadé que je les avais pris en photo. Ah, curie de monstre, ça je veux bien le faire. Ça je suis chaud. Curie de monstre, je suis très chaud. Maintenant que j'ai des extraits de monstres. Oublie pas de coup que l'éclat avec les fleurs radieuses pour la prochaine fois. Ouais, au calme. Au calme, t'inquiète. Bientôt 80h. Écureuil ? OMG ? Et c'est un backseat, réel. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut cook? Pas mal de trucs, genre ça. Genre ça. Genre ça. Genre ça aussi. Ok, quoi d'autre?
Alright, je crois qu'on en a encore, non, des trucs à cook. Les armes max, malveillance max. Oh putain, comment ça se fait que je sois autant fatigué? En vrai, je me suis réveillé à 9h et toi en plus ce soir. Après, c'est vrai qu'hier, je me suis couché un peu tard, mais... Enfin, ce matin, pardon. Qu'est-ce que je dis ce soir, frère? Oui, pardon, fallait que je cook un curry de monstre. Attends, curry de monstre, il me semble que c'est genre... Venaison, épices goron... Attends, je vais retourner les voir, ils nous le disent de toute façon. Quel jeu de fou, frère. Même les OST sont grotesques, vraiment. L'éducation des enfants vous intéresse? Non, il ne m'intéresse pas. Est-ce que je peux cook dans l'école, genre? OMG. Ah oui. Alors attends, curry de monstre. Mais le feu à l'école? Bah ouais, directement. Un plat à base de riz avec des épices goron et de l'extrait de monstre, ok. Riz, donc boisseau de riz, épices goron et extrait de monstre. Donc boisseau de riz là... Extrait de monstre là, épices goron là. OMG, curry de monstre. Par contre, ça rend vraiment 0,25 cœur, genre. Blablabla. Livraison de curry. Quand même TOTK ce soir? Non, je vais dormir, je pense. Un authentique curry de monstre. Les enfants, venez voir, ce curry a été cook avec de l'extrait de monstre. Les dessins sur les murs de l'école, vraiment. Et même les dessins genre de la fille de Grossaillet, mec. Ça rend tellement heureux. La couleur est bizarre, mais c'est pas mauvais. Je pensais que ce serait tout amer et crado, mais même pas. Alors ça a quel goût? Mais si on prend des bouts de monstre et on fait de l'extrait, on peut cuisiner avec? Trop bon. Eh oui, les enfants, les matériaux de monstre servent à la préparation de remèdes, mais l'extrait de monstre peut être utilisé dans les plats. Et maintenant, vous comprenez la différence entre les deux. Merci beaucoup, regarde-les, ils sont captivés, ils ont aujourd'hui appris quelque chose d'utile. Link, tu es un formidable professeur. Je suis toujours nul en histoire, mais les cours étaient super avec vous, monsieur Link. Et le curry était bon, j'ai pleuré sur le culi. Maintenant, j'ai deux profs. Merci, monsieur Link, ça serait chouette de continuer à apprendre avec toi. Les élèves t'ont pleinement accepté comme professeur. Si tu veux, tu peux utiliser à ta guise le potager de l'école. Il se trouve juste sous la cour de l'école. Ah putain, oui, c'était la salle secrète dont les PNJ nous avait parlé. Mec, c'est vrai que les dessins derrière, ils sont vraiment très beaux. Ils sont émouvants. Avec Zelda et tout. On ne peut pas faire pousser... on ne peut faire pousser que certains fruits et légumes sous nos latitudes, mais je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. Si tu as des questions, n'hésite pas à solliciter Florène, celle qui s'occupe du potager, tu la trouveras là-bas. Pour le prochain cours, je prévois de faire un contrôle de surprise qui portera sur tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Si ça t'intéresse de suivre nos leçons, tu es bien sûr le bienvenu. Ah, ils ont pas fait 1000 quêtes pour ça, c'est cool. Les élèves de l'école vous ont pleinement accepté comme professeur et vous avez par conséquent autorisé à utiliser à votre guise le potager de l'école. Ah mais attends, mes frères, comment on y va, genre? Comment on y va, genre? Répondez pas, hein, évidemment, hein, c'est une question que je me pose à moi-même. OMG, le parcours? Hop, 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 hop. Où est-ce qu'elle est, frère? Où est-ce qu'il est, ce potager, là? Là, là? Non. Mais qu'est-ce qui me parle du potager, là?
Bon, ça a été sup, parce que pas de questions sur l'avancée ni sur du game knowledge. Ce que vous pouvez aller voir sur internet, très clairement, plutôt que de spoiler tout le monde en posant la question. Et en incitant des réponses. Et le rôle d'un professeur ne se limite pas à faire le cours à l'école. Alors si tu croises des enfants, surtout n'hésite pas à les voir, veille bien sur eux. Ok, comment on fait pour aller au potager, le chat? Vous avez le droit de me répondre. Comment on fait pour y aller, genre? Voici notre nouvel enseignant, Link. Notre école accueille un tout nouvel enseignant, pas de bavardage. Nightbot essaye. Vous avez le droit de me le dire. En marchant? Hein? Là? C'est pas le potager, frère. Je crois qu'il est en face. J'ai combien de Korogu à l'heure actuelle? J'en ai 542 000 environ. J'arrive sur le million de Korogu à peu près bientôt. Là, c'est un potager, mes frères. Il y a que dalle, genre. Ça m'a l'air bien. Eh bien, bonjour, ah, tu tombes bien, je t'attendais. Canel m'a suggéré de faire des semis. C'est quoi des semis? S'il te plaît, pour te remercier de ton coup de main à l'école. Ah oui, le fait de semer des graines, ok. Et justement, je viens de finir de retourner le potager. Je peux faire pousser des citrouilles, des carottes, des radis, mais aussi des tomates, des baies, des melons, ainsi que du blé et du riz. Si tu m'apportes une de ces plantes, j'en ferai des semis pour en faire... Oh, c'est sympa en vrai comme quête. Sinon, j'ai un peu honte de l'admettre, mais je dois te prévenir que je ne suis pas encore très expérimenté. J'ai un peu de mal avec les carottes vigueur et les radis max, mais ce ne sont pas des légumes faciles à cultiver. Donc les récoltes risquent d'être moins bonnes que sur les autres cultures, je m'en excuse à l'avance. Allez, dis-moi que tu veux planter, sois pas timide. C'est ça le melon, il était aussi dans Breath of the Wild. Très bien, dans son cas, je vais cook. Tu peux changer d'avis quand tu veux et me donner autre chose à semer à la place d'ailleurs. Ne tu me mettrais pas, tu ne perdrais pas ce que tu viens de me donner dans l'affaire. Oh, et j'espère que tu me permettras d'assister à ta première école, ça me ferait tellement plaisir. Pour obtenir les bons produits, pour obtenir les produits les plus importants, c'est de savoir prendre son temps. Tu ne peux pas te contenter de tuer le temps dans une auberge ou auprès d'un feu, les plantes seraient trop tristes. La récolte n'est pas pour tout de suite, mais c'est toujours un grand moment. Ah, et en mode, elle peut rien cook d'autre que ça, genre? Si je peux de nouveau prendre soin des plantes, c'est grâce à la princesse Zelda qui a fait construire cette école. J'espère qu'on la retrouvera vite. Mais pardon, je m'égare. Tu voulais quelque chose? Alors, ça pousse. Je vais prendre grand soin de tes pousses de melon glagla. Merde. Mais il va falloir encore un bon moment avant de pouvoir récolter. Laisse du temps au temps. Le temps n'a pas de temps pour le temps. La culture maraîchère demande beaucoup de patience. Dans ce domaine, on ne peut pas tricher. Ouais. Vous avez entendu le chat? Tu peux bien passer le temps à l'auberge au coin d'un feu, mais tes cultures ne pousseront pas plus vite pour autant. What? Et brise le quatrième mur comme ça, genre. Ok. Comme tu voudras, ces cultures étaient en bonne voie, mais c'est toi qui décides de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut cook en vrai? Citrouille radieuse. Citrouille radieuse, ça peut être bien en vrai. Mais attends, mais y a que ça, genre? En fait, on peut cook qu'un seul truc à la fois, genre? Ah merde, on peut cook qu'un seul truc à la fois, genre? Le quatrième mur, ça existe, ça? Et pas ce que c'est, le quatrième mur? J'entends l'expression quatrième mur pour la première fois de ma vie, tout ça deux fois en une journée. Oui, mais ça c'est réel. Ça, c'est un réel phénomène. Genre, je découvre un mot ou une expression... Et en fait, à partir du moment où je la découvre, j'ai l'impression qu'elle existait et qu'elle était sous mes yeux depuis tout ce temps, mais que juste je comprenais rien, genre. Genre, je sais pas pourquoi, ça m'arrivait plein de fois, ça. Si t'habites dans une pièce carrée, il y a quatre murs. T'es malin, toi. Bon, ça, je connais, je crée à part un light novel pour rien. Ah ouais, le mec, il cale sa petite... le fait qu'il fait un light novel. Ok, bien joué à toi. Bien joué à toi. Merci Sven, la menace pour le Prime. Mec, on dirait un alien, frère. Goofy à Bocoblin.
Je connais aussi, j'écris un film pour Warner. Oh la dingue. Putain, j'ai des bêtes de viewers, moi. Moi, je connais pas, je suis pas déscolisé pour rien. Est-ce que vous pourrez me backseat l'emplacement du casque Zora? C'est le seul truc que j'ai envie qu'on me backseat parce que j'ai trop la flemme, frère. Je la trouvais pas, frère. Enfin, je crois que c'est dans une grotte. Je crois que c'est dans une grotte. Île Poisson. Mais je sais que c'est aux alentours de l'île Poisson, mais je sais pas où est-ce que c'est sur l'île Poisson, genre. Parce que, genre, vraiment, j'ai bien cherché, quoi. Vraiment. C'est la quête de la grognasse de l'île femme de Sidon, elle te dit c'est où. Wow, ça va pas te parler des femmes comme ça, t'es fou ou quoi? Merci Fouadi pour le prime. Faut crier Jospet trois fois sur l'île Poisson, jure. Le train de la hype. Sur les murs, faut nettoyer. Ah ouais, 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 trop chiant, frère. J'aurais pas trouvé, je pense. Y'a quelque chose derrière là. Ok, allons cook alors. Plateau de Jabu. Ah non, plateau de Jarbu, pardon. Île des eaux jaillissantes. Et alors du coup, où est-ce que c'est l'île des écailles dansantes? Ouais, c'est là. C'est qui ton prodige préféré pour l'instant? Franchement, c'est Babybel, mec. Babybel me rend trop heureux. Yunobo, on l'a déjà vu dans Breath of the Wild. Sinon, on l'a déjà vu dans Breath of the Wild. Mineru, j'aime beaucoup. Mineru, vrai flow aussi. Hein. Le flow de Mineru, j'en parlerai dans ma conférence. Hein. Voilà un prime pour toi, jure. Merci Fouadieu pour le prime, bienvenue. Les portes. Mec, le début de cette musique, c'est le title screen d'Ocarina of Time. Je suis pas fou. Fais voir. Fais voir. Attends. Ouais. Oui, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, bon. Après, je pense que c'est juste un hasard. Je pense pas que ce soit une rêve voulue. C'est quand même très court, quoi. Je pense que c'est juste les mêmes accords, quoi. En vrai. Et j'ai reconnu, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est très, très... C'est sans doute une rêve. Je suis même pas sûr que ce soit une rêve parce que c'était très, très succinct, quoi. Ah mais what? On peut se déplacer de gauche à droite dans les... Putain mais c'est une dinguerie frère, dans les cascades de... on peut se déplacer de gauche à droite genre. Mais attendez, comment ça faut nettoyer les murs mec? J'ai vraiment tout nettoyé genre, c'est ça qui me terrifie. Sur la queue côté nord. Je crois que je l'ai déjà cherché, il y a plein de gens qui m'ont dit je l'ai vu trois fois la grotte. Ah putain, ouais. Ah putain. Putain, c'est discret quand même. Remontrant sans fin. Il est quand même discret hein.
J'avais vu des gens dans le chat qui étaient là en mode « On l'a vu plein de fois, frère. On l'a vu plein de fois à la grotte, c'est bon. » Ils en pouvaient plus. Mec, la quête de la goutte, elle est tellement stylée, frère. Vraiment. Ok, on a quoi d'autre comme quête? Le potager de Florène. Ok, le projet de Lorello. Elle souhaiterait manger un plat contenant de la dorade, du riz et des épices goron. Est-ce que j'ai une dorade comme ça, là? Je pense que ouais, hein. Ouais, dorade. Vas-y, on va lui cook ça. On va cook Lorello. On va rush les quêtes secondaires jusqu'à que je doive cut, c'est-à-dire à 21h. Oh putain, je sais pas pourquoi je suis que baillé, frère. J'ai envie de jouer au jeu, mais je suis KO, genre. Demain, on va tellement faire une matinale. Genre, en vrai, si je me réveille à 8-9 heures... Mec, on va tellement jouer, genre 5 heures le matin. Ça va tellement être bien, genre. Mais voilà, forte chance que je fasse une matinale demain, ouais. Mec, en plus, j'ai validé mes impôts. C'est bon, quoi. Mec, j'ai terminé ma déclaration d'impôts, mec. Ouais. C'était tellement long, mon gars. Réunir tous les justificatifs, faire la somme... Bon, après, il y a une comptable qui m'a aidé, mais... L'année dernière, c'était plus facile, genre, moi, j'avais vraiment zéro à déclarer... Enfin, j'avais quasiment rien à déclarer, quoi, mais bon... Enfin, j'étais pas imposable, quoi, en 2021, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il fallait, Cook? Dorade, riz, épices goron. Riz, dorade. Mais l'année dernière, c'est vraiment 2022. Non. En gros, je vous explique. Quand on fait sa fiche d'imposition, on l'a fait sur toute l'année passée. Donc en gros, en 2023, tu fais ta fiche d'imposition sur l'année 2022. En 2022, tu fais ta fiche d'imposition sur l'année 2021 et ainsi de suite. Dorade. J'ai payé 4000 euros d'impôts. Aïe, aïe, aïe. Moi, je vais payer certainement plus que ça, mais bon, on verra. Je pensais qu'emménager ici suffirait à rendre le sourire à ma tendre épouse, mais elle s'inquiète de voir que son village est si peu connu en Hyrule. Cela le rend vulnérable auprès d'elle. Mais si tu veux, tu peux aller lui parler, tu trouveras le chef du village. De mon côté, j'adresse une prière à la mère. Pour que les soucis de mon épouse s'évaluissent comme l'écume. Cette odeur. Rien que de sentir cette odeur, j'en ai l'eau à la bouche. Je pourrais-il que... Tiens, c'est pour toi. Ah, cette odeur, c'est exactement comme dans mes souvenirs. Tu l'as préparé rien pour moi, merci, je sens que je vais me régaler. Bon, eh bien, si tu me le permets, bon appétit. Ah, c'est bien relevé, mais on sent quand même bien poisson, c'est tout simplement délicieux. Je me suis régalé, maintenant je vais pouvoir trouver un moyen d'aider le village, hein? Mais est-ce que tu sais que tu as la main un peu lourde sur les épices goron? J'ai eu un de ces coups de chaud, tout à coup, je ne vais jamais réussir à me concentrer. C'est pas vrai, quel poids, il me faudrait une rafale de vent ou quelque chose du genre pour me rafraîchir. Et force, et force, elle veut Babybel. C'est bon, il est à moi, Babybel, frère. It's my Babybel. Merci Lulu Vert pour le raid. Il est où, Babybel, frère? Je peux même pas dans les villages. Ah, bon, bah, elle veut quoi? Elle veut ça, genre? Ah, je savais pas, ça. Je savais pas que c'était pas dans les villages.
Mais les gars, quand je galère, ne dites rien, hein, s'il vous plaît. Please. Ah, ça fait du bien. Eureka, ça y est, j'ai trouvé. Un drapeau, là voilà mon idée. On pourrait créer un drapeau pour représenter le village. D'avoir flotté au vent, ça mettrait de baume au cœur. Ça mettrait du baume au cœur des villageois. Bien, pas de temps à perdre, je m'y mets de ce pas. Link, Unspoken Rise, what? Ça je le mets là, et ça ici, on ramène ça comme ça, et hop, un jeu d'enfant. Ouais. Pas convaincu. What the fish doing? Je suis plutôt contente de moi, merci. Sans toi, je serais encore en train de chercher une idée. Bien, maintenant, je dois aller montrer mon drapeau aux gens du village. J'espère qu'ils aimeront. Tiens, pour te remercier, je te donne les chutes de tissu. Oh, jure, pour la paravoile, sympa. D'ailleurs, si tu vois la teinturerie du village des limites, ils auront sans doute quelques idées à te suggérer. Mec, sympa, en vrai, une petite paravoile. Griffe de Rordrak, je peux pas. L'amour des puits, je peux pas. Floren, c'est pas encore bon. Les œufs des cocottes, elles disparaissent quelque part au petit matin. Est-ce que j'ai des œufs? Mec, j'en ai 17. Vas-y, on y va. Ça me rappelle la go de Skyward Sword avec le ménage. Oh putain. Ça date, ça. Je me rappelle... ça me rappelle le TikTok de Astro, ça. Non mais mec, on a 9 emblèmes de la bienveillance. Enfin non, c'était quoi, lueur de bienveillance? Faut que j'aille les cook. Ouh là 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 là. Oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle très très bien. Ok, je veux un cœur de plus. Il m'en faudra plusieurs fois. Un deuxième aussi, s'il vous plaît. Vous pensez que j'ai une ligne entière ou je peux commencer la deuxième ligne ou que les petits? Attends, j'en ai 20 là, j'ai du mal à compter. Ok. Est-ce que le prochain, ça continue la ligne ou ça en fait une nouvelle? Ça, ça commence à être une très très longue ligne. Oh putain, mais là j'en ai 20, c'est pas possible. J'ai 20 cœurs là. Tout le monde faire quand les ruines de Cocorico? Quand j'aurais compris comment y accéder, mais j'ai toujours pas compris comment faire. D'après, je pourrais me réapprovisionner en tout sauf en œufs de volatile. C'est un produit qui a beaucoup de succès, alors il faudrait que je fasse quelque chose. Vu l'état de mon stock, je vais vite manquer à nouveau 2. Si je m'en procure pas, au moins 10. No spoil sur comment faire, hein, les ruines de Cocorico. Bonté gracieuse, tu es vraiment allé ramasser 10 œufs de volatiles pour moi. Merci, comme tu es gentil, je vais te les acheter, bien sûr. Ça peut pas être grand-chose, mais c'est un bon prix pour les œufs. Grâce à toi, nous pouvons enfin offrir à nos clients toute notre gamme habituelle de denrées. Reviens quand tu veux. Ce que je trouve grave, grave bien, en fait, dans les quêtes de TOTK, c'est qu'elles ont un vrai impact sur l'overworld. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, en plus de donner des rubis et des items, en fait, ils ont un vrai impact sur l'overworld. Genre là, tu vois, ça réapprovisionne le... Genre, tu vois, la quête des Caraïbes, on a littéralement rebâti on a littéralement rebâti le village. Là, elle a littéralement tous les items. L'autre, elle a vraiment fait le genre de drapeau, tu vois. Je trouve ça trop stylé. Et lui, c'est con qu'il va se faire foutre, genre, c'est une dinguerie, hein. C'est encore toi, sur l'ordre de son Altesse Zelda, il est strictement interdit à quiconque de s'approcher de ce vestige circulaire. Et ça s'applique malheureusement tout aussi bien à un tel amateur que toi, à l'éminent archéologue que je suis. C'est galère, hein, j'ai toujours pas la solution de ça.
finira bien par trouver. Bah, de toute façon, on reviendra le faire pour le 100%, mais ouais, dites rien, évidemment. What? Elle s'appelle Banana. Ok, y'a quoi d'autre comme quête? Mec, c'est dommage qu'on puisse pas utiliser, qu'on puisse pas répartir les quêtes par zone, ça aurait été vachement plus simple. Poisson géant, gardien éternel. Sous ta statue, un trésor sommeil. En contrebas du long pont qui mène à toi, celui qui, sans peur, franchira les deux chutes du dit trésor sera rétribué. Hein? Les deux chutes? Je comprends rien à ces quêtes. La horde de pirates. Ah, ça peut être bien. Ça peut être facile comme quête. Bon, on a enlevé ma question, ça m'a dit Méodarateur d'éditer de mon message. Bah c'est peut-être parce que c'était une question qu'il fallait pas que tu poses. Ouais. Mec, on a bientôt les 100 sanctuaires, c'est une dinguerie. Tu as 19 cœurs, vous êtes sûr que j'en ai pas 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'en compte 20. J'en compte vraiment 20. Les gars, faut apprendre à compter. C'est le mec malveillant, genre. Jure 2 sur 10 la dernière vidéo. Ah bah, immédiatement quand c'est... quand c'est l'épée de légende... Wouah, mais mec, c'est tellement long d'aller lutter contre le vent, genre. Putain, c'est un sacré repère de pirates, ça, quand même. C'est un filler de One Piece, hein, ce qu'on est en train de faire. Non, mon boomerang! Mon boomerang vertébré, frère! Hein? Mais c'est quoi, là? Montre-nous tes skills. Ok, let me cook. Faut juste que je trouve toutes mes armes de base. Ok, 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 ok. Oh my god, oh my goodness. Regardez, 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 regardez. Regardez, 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 comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, boum. Tac. Ensuite, j'arrive. Y'a personne, ça explose personne. Ça a vraiment explosé personne. Ok, c'est quoi ça? Oh putain! Le mec est trop dans la butte. Mais what? Il me frappait même pas! Vous pouvez mettre une semaine à X-Red Léo par pitié, on n'en peut plus, frère.
Ok. Ok, ok. Merde. Ok, ok. Attends, œil de Kakuda. Œil de Kakuda, on n'a jamais essayé, tiens. Oh mec, c'est trop stylé. Le truc à tête chercheuse, c'est vraiment trop gutless, genre. Walker d'en prendre la graine. Ouais, ça doit être ça. Mmh, y a bien des petites araignées ici. Des petites toiles. Ils sont où les autres? J'ai l'impression d'avoir buté que la moitié, genre. Mais je trouve littéralement personne, genre. What the hell? Où est-ce qu'il est là? Où est-ce qu'ils sont? Ah oui, ok, c'est derrière, c'est les autres. Non, merde, je voulais faire un move stylé, genre, mais c'est trop dur. Ah, putain. Je voulais backflip et puis ensuite lui jeter en pleine face, genre. Je vais essayer de les buter avec des caisses. Non, les tuez pas! Avec la boule, avec la boule. Sympa. Sympa. Bon allez, je vais prendre le coffre, je vais terminer la quête et ensuite je vais m'arrêter là. Hop. Oh fuck le Kakuda, frère. Sage, je reprends demain matin si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous êtes matinal. Peut-être demain à partir de genre 9h, 10h peut-être. Grand marteau inox bleu. Mmh, sympa. Belle arme. Beau bébé. Ouais, écoutez, merci d'avoir regardé, je suis vraiment KO là, je sais pas pourquoi, je suis full fatigué là. Ah, de toute façon, j'ai des trucs à faire, c'est ça. Des gros bisous, merci d'avoir regardé YouTube, ciao ciao. N'oubliez pas de vous abonner.